morning show. J'écoute le morning de G-Foot dans toute la France. C'est là qu'ils pensent. Ils sont premiers sur son réveil. Ouais, ouais. Ils sont premiers sur le cash. 1500 euros, c'est gagné. Ouais. Ils sont prêts à tout pour te réveiller en direct sur Skyrock jusqu'à 9h. Dans toute la France, le morning, c'est là qu'ils pensent. C'est le morning de G-Foot sur Skyrock. 6h, 9h, tous les matins. 6h du matin, bonjour, bienvenue sur Skyrock, on se réveille ensemble, merci d'être là, merci de vous réveiller avec Skyrock comme tous les matins. Et J-2 avant vos 15 000 euros, c'est après-demain, c'est vendredi, vous gagnez 15 000 euros avec Skyrock, c'est facile. Vous auriez 15 au 7-20-20, on aura peut-être une PS5 à vous filer ce matin, sinon ça tombera dans la journée, donc oui. 15 au 7-20-20. Et puis votre PS5 à gagner dans la journée, c'est comme ça tous les jours sur Skyrock. Et vendredi, 15 000 euros, demande à Franglish qui va se réveiller avec nous. Et là, il y a toute l'équipe qui se réveille déjà. Bonjour à vous d'ailleurs. Salut, salut. Qui vous salut. Réveillez en même temps que nous. Bonjour à Biscotte qui nous fait un petit salut l'équipe. Un bonjour d'Allemagne. Salut l'Allemagne. Ah ouais, toi tu voyages, direction la République tchèque. Ah bah tu vas voyager. C'est Alain. Alain qui nous envoie un message. Big up à toi. Bonjour à Chinese. À BZH56, la Bretagne est là. Bonjour à Divini Wolf. À Flo du 63. Je peux pas tous vous citer parce que vous êtes déjà plein à nous laisser des messages. Lucille aussi. Bonjour Lucille. Bonjour à Flo. Bonjour à Waro aussi. Et donc bonjour à l'équipe qui vous accompagne comme tous les matins. On est là. Guigui qui réalise le morning ce matin encore. Comment ça va, Guigui? En remplacement. Bah, ça va très bien, tout va bien. Alors, c'est bien les remplacements. Ouais, c'est sympa, ouais. Ça change un peu. Ouais, ça change un peu. Bon. Une réa de qualité. À chaque fois, je dis ça à tout le monde. Vous avez vu un peu la réa de qualité? Qualité. On est quand même pas mieux sans Théo. Bonjour à Théo d'ailleurs et à son Covid. À son Covid et on l'embrasse. Bonjour Sam. De loin, bien le bonjour. Bien le bonjour, comment ça va? Ça va. J'aurais une question à vous poser quand même. Bah, vas-y, pose-la. Pour savoir si je suis parano. Oui. Ma meuf est venue me voir, elle m'a fait. Oh, t'es un ouf. Imagine, je vais dans un hôtel toute seule pour me ressourcer, oui, sur Paris. Oui. Est-ce que tu le prends mal? Oh là, mon gars. Alors, t'as déjà la réponse de Guigui. Moi, c'est bon. Heureusement c'est... que t'es célibataire, sinon la meuf, tu épargnes quand même une meuf, Guigui. Hein. Ouais. Non, la meuf, elle subirait des trucs terribles. Bah, si elle te le dit, bon, ça va, ça passe. Après, c'est peut-être qu'elle te supporte plus, Sam aussi. Hein. Ouais, mais après, moi je pense qu'il y a peut-être un mec derrière, tu vois. Ah, moi, je serais très inquiet. Donc, vous pouvez répondre déjà à la question de Sam pour le rendre complètement parano. Laissez-nous vos messages avec votre appli Skyrock. Le 41759, le skyrock.fm. Tiens, comme ça, on vous mettra dans le tirage au sort pour gagner votre séjour Bel Embras. Ah ouais, encore un séjour Bel Embras. Je parlais des 15 000 euros après-demain. Mais séjour Bel Embras a gagné aujourd'hui, comme tous les matins sur Skyrock. Ça vaut 2 000 euros. Et c'est ce qu'on vous offre toute cette semaine. Bonjour, Cariole. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et puis, bonjour, Rémi. On va faire le point sur les infos. Donc, le séjour Bel Embras est à gagner. Vos réponses pour Sam. Tiens, engage un détective, nous dit Momo là sur. Ouais, sur mais ça coûte cher. Regarde s'il n'y a pas un mec dans la chambre d'hôtel avec elle. Qui l'attend, message de Malik du 13, qui s'inquiète aussi pour toi, Sam. Bah, c'est ce que je crois. Vous allez me le rendre parano. Caro qui dit, moi, le mec, il me laisserait jamais, mon mec à moi, il me laisserait jamais partir. Ouais. On va voir ce que vous en pensez, tiens, pour cette première question de la matinée. Bon, plein de choses à faire. On parlera du réveil de star dans un instant. On aura nos invités mystères à découvrir à 6h20, à 7h moins 10. Les doubles appels à retrouver. Et puis du son pour nous réveiller. Rosalia qui arrive dans un instant pour La Fama avec The Weeknd. Tiens, Aurel San aussi. Aurel San, Ed Sheeran, La Best Life de Naps et Gims. Et puis tout de suite, les infos de Rémi. Salut Rémi. Hello, hello. C'est l'heure de l'actu. On fait le point tout de suite à 6h04. L'actu, le sport, mais d'abord la météo pour aujourd'hui. Quel temps pour ce mercredi 13 avril? Oui, c'est pas dégueu la météo aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a encore une perturbation là qui se promène des Pyrénées à la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au centre-val de Loire en remontant vers la région parisienne et les Hauts-de-France. On a un petit voile nuageux avec quelques averses parfois ou du brouillard sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, mais un retour quand même des éclaircies au fil des heures cet après-midi. Voilà, de manière générale, ça reste quand même une journée, on va dire, assez agréable. Les températures entre 5 et 13 degrés. 8 si vous êtes à Lyon ce matin, 10 à Lille, 11 à Marseille, 13 à Paris. Cet après-midi, il fera 15 sur la pointe du Cotentin. On aura 18 sur la région parisienne, mais aussi en Bretagne ou encore sur le bassin aquitain. 19 près des frontières du Nord et en Normandie. 20 dans la Loire et sur l'île de Beauté en Corse. 21 pour la Bourgogne et le Massif central. On aura 22 aujourd'hui à Nancy ou encore 24 la maximum
maximale du côté de l'Alsace. La pollution, c'est correct. Les indices entre 2 et 4. Il y a Steve qui dit ça roule mal en région parisienne. Il pleut comme vache qui pisse. C'est ouais, vrai qu'il pleut en région parisienne. Ouais, grave. Je sais pas si c'est dans toute la région parisienne, mais 492, ouais, une, il bonne, pleut bien. Une bonne partie de la région parisienne, ouais. Merci Rémi pour les infos météo. Maintenant, les infos tout court. On y va. Une nouvelle journée de campagne bien chargée pour Emmanuel Macron. Après le Nord, lundi, le président candidat était dans l'Est. Hier, au programme Bain de Foule le matin à Mulhouse, rencontre avec des soignants, puis direction Châtenois sur le thème de la sécurité. Le président a été confronté au bilan de son quinquennat. Il a notamment été pris à partie par des soignants. Emmanuel Macron s'est défendu en expliquant que le milieu hospitalier manquait de personnel. Il rappelle que son gouvernement a investi dans l'hôpital comme jamais auparavant. Le président sortant tire également la sonnette d'alarme sur le programme de Marine Le Pen. Il considère que ce deuxième tour sera aussi un référendum sur l'Europe. La candidate d'extrême droite veut changer les règles, mais elle changera toute seule ses règles selon le chef de l'État qui affirme qu'elle veut quitter le E, mais sans le dire. Marine Le Pen, elle était à Vernon dans l'Eure, conférence de presse sur la démocratie et l'exercice du pouvoir. La candidate RN a été interrogée sur le fait que systématiquement les journalistes de quotidien sur TMC ne sont pas les bienvenus. Une décision arbitraire, une entorse à la liberté de la presse que Marine Le Pen assume sans détour. Elle estime qu'il n'y a pas de journaliste dans le programme présenté par Yann Barthès. Il s'agit à ses yeux d'une émission de divertissement et non pas d'un programme d'information. Elle insiste en rappelant finalement qu'elle est chez elle, dans son QG et dans son mouvement. Tony Parker, Boris Dio, Pierre Gasly, Blaise Matuidi ou encore Dimitri Payet, Tony Yoka et Jo-Wilfried Tsonga, ils sont une cinquantaine de sportives et de sportifs à appeler à faire barrage à l'extrême droite dans une tribune publiée dans Le Parisien aujourd'hui en France. Ils estiment que ce vote mettrait en danger les valeurs républicaines et serait le pire des remèdes. Selon eux, Emmanuel Macron est le seul choix possible au deuxième tour. Ils n'imaginent pas que les JO de 2024 à Paris soient marqués du sceau de la présidence d'extrême droite. Des chocolats qui rendent malades les enfants, des familles choquées, des friandises retirées en urgence des supermarchés et une usine en Belgique fermée par les autorités en seulement 4 jours. L'affaire Kinder est devenue un scandale mondial et ça n'est peut-être pas prêt de s'arrêter. Les autorités britanniques avaient prévenu le groupe alimentaire dès le 23 mars d'un possible lien entre des contaminations à la salmonelle et ses chocolats. La marque Ferrero n'a pourtant procédé au rappel de ses friandises que 12 jours plus tard. Une enquête interne est toujours en cours. Après avoir qualifié Vladimir Poutine de boucher, le président des États-Unis a de nouveau utilisé un mot très fort contre l'envahisseur russe en Ukraine. Joe Biden accuse l'armée russe de génocide. Il utilise pour la première fois ce terme afin de qualifier la situation dans le pays envahi par Moscou. Et on parle de sport maintenant, du sport et encore bravo Karim Benzema. Hein. Eh oui, Benzema qui plus que jamais se dirige vers le Ballon d'Or. 12 buts pour le Français en C1, c'est un record pour un Français en Ligue des Champions. Encore une fois, hier, il a permis au Real Madrid de se qualifier. C'était chaud, un match complètement dingue. Chelsea menait 3-2 et dans les toutes dernières secondes du match, voilà, Karim Benzema a réalisé une tête. Donc après prolongation, finalement ça suffit pour le Real Madrid pour se qualifier puisque Real avait gagné 3-1 au match aller. Et la petite surprise aussi hier soir, c'est la qualification de Villarreal puisque le Bayern de Munich n'a pas pu faire mieux que un but partout. Donc à la maison, les Munichois sortent de la compétition. Ce soir, 2 matchs à suivre, Liverpool-Benfica et puis Atlético Madrid-Manchester City. La bonne nouvelle également, c'est l'équipe de France qui est qualifiée, l'équipe de France féminine pour la Coupe du Monde puisque encore une fois hier, une victoire, 8 matchs, 8 victoires. La qualification était à portée de main du coup, 1-0 face à la Slovénie. Et on a suivi tout ça hier soir dans la radio libre sur Skyrock. Bravo yes. À nos bleus, bravo à Karim Benzema qui est exceptionnel, qui file vers le Ballon d'Or. Il y a d'ailleurs Cristiano Ronaldo ouais. Qui a dit qu'il méritait largement le Ballon d'Or. Ouais, qu'il le dit depuis des années. Ça faisait plusieurs années qu'il aurait dû l'avoir à la place de Messi. Non, il n'a pas dit ça. Fausse information. Il a dit que ça faisait des années qu'il disait que c'était un immense attaquant. Ah d'accord. Ouais, ouais. Je croyais qu'il avait dit oh Messi. Non. Bon, bravo en tout cas Karim Benzema, grosse performance et on est bien content de l'avoir dans notre équipe de France. Ouais, vivement oui. le mondial au Qatar. Ouais. Et puis le morning, c'est parti là, on est en plein dedans. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h15. On parle du réveil de star. Allez, réveil de star qu'on va retrouver dans 5 minutes là à peu près. Le réveil de star aujourd'hui, c'est une femme enceinte. On en parle pas mal, c'est tension. On a parlé de Rihanna cette semaine. Eh bien, c'est Nabila. On a parlé également. Qui c'est qui est dans un bébé encore? On a parlé de plein de bébés qui arrivent. Dans la télé-réalité. Non, il y a Melbeth, beaucoup, mais elle a couché, elle. Oui, non, mais ça se finit. Dans la télé-réalité. Non, dans il la. Il y en a plein. Non, on a parlé de Taiki qui attendait un bébé. Ah, t'as Britney Spears. Taiki est enceinte. Ouais, ah oui, Britney Spears est enceinte. Qui est enceinte, aussi. Ouais. Donc, il y a beaucoup de monde. Et là, c'est Nabila qu'on va retrouver. Nabila, l'influenceuse la plus suivie de France, avec 7,2 millions sur Insta. Mal, ouais.
Ça me fait halluciner. Moi, j'ai les chiffres d'Instagram, de YouTube et compagnie, là, j'y crois parfois à moitié. 7,2 millions, ça veut dire qu'il y a un Français sur 10, même plus d'un Français sur 10 qui suit Nabila. Mais elle est connue dans le monde entier. Oui, bien sûr. Non, mais t'en as en Belgique. Y compris les enfants, même les nouveau-nés, c'est vrai, en Belgique, en Suisse. Bon, enfin, peut-être bon, même au Maroc, au Canada aussi. 7,2 millions. Bon, à Dubaï aussi. Combien de fake, ouais. J'en sais rien. Mais ah, bon. Je sais pas. En tout cas, moi, je suis abonné. Hein. Ah, donc tu vas je regardais bizarrement et moi, je suis abonné. Ouais. C'est toi les 7,2 millions de fans, Sam. Nabila, qu'on va retrouver donc, qui va appeler les Français pour déclarer son amour. Car on a besoin d'amour ces temps-ci, ça fait du bien. Hein. Vive l'amour, vive Nabila, le réveil de star. J'attends avec impatience parce que Nabila, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un réveil de star. J'aimerais savoir comment ça se passe avec les Français ce matin. On saura tout dans 5 minutes. On va également parler avec vous et là, je vous demande vos témoignages. C'est bien de tout se dire et on se dit tout dans le morning sur Skyrock. C'est quand que vous êtes passé pour un con dans votre vie? Alors, une fois... sans doute la pire, hein, racontez-nous la pire, c'est la mieux. Allez-y, donc si vous êtes passé pour un con, vous nous racontez tout ça, ça peut être au boulot, au bahut, en famille, dans la rue, dans les magasins, n'importe où. Vous nous racontez, vous êtes passé pour un con, vous avez merdouillé un peu, ou alors vous êtes passé pour un con à cause de votre chérie, des enfants, des parents aussi parfois. Hein. Vous nous dites, et puis on écoutera tout ça, on va bien se marrer avec ça, on compte sur vous, vos messages au 06 86 101 101, c'est le WhatsApp audio du morning, comme ça on les écoute, et puis on vous mettra dans le tirage de sort pour gagner votre séjour bel en bras à 2 000 €. Vos vacances à 2000 euros à gagner sur Sky. Oui. Du son pour nous réveiller ce matin. Allez, c'est parti. Rosalía The Weeknd. C'est la femme. On salue les Carcassonnais qui sont sous la pluie là. J'ai vu le message. Il est passé parce qu'il y en a plein des messages que vous c'est nous envoyez. Sandra Carca. Ah, salut Sandra Carca. Merci pour ton message. Je pars bosser. Il pleut à Carcassonne. Eh ben, bon courage. J'avais vu passer. Oui. Bon courage à toi. Et branchez la radio. Mettez Skyrock bien fort. Vous allez voir, ça va déchirer. Rosalía The Weeknd à 6h11. Que pasa, di full. Hola, this is Rosalía and my favorite radio station is Skyrock. La fama sur Skyrock, c'était Rosalía et The Weeknd à 6h15. On va retrouver notre réveil de star. Et puis bon, la question que tu nous as posée, Sam, est-ce que vous prendriez mal, les gars, que votre meuf vous dise j'ai besoin de prendre une chambre d'hôtel pour me ressourcer un peu? Un week-end. Un week-end? Un week-end, oui. Un week-end, ça fait beaucoup là. Toute seule, mais toute seule, ouais. Toute seule. Ouais. Est-ce qu'elle t'a donné l'adresse de l'hôtel? Non, non, mais pour l'instant, c'est une idée qu'elle me propose. Ah, d'accord. C'est pas fait dans le marbre. C'est toute seule ou toute seule avec des copines? Non, ça serait toute seule. Ou avec un garçon peut-être? Ah oui, c'est bizarre, toute seule. Bah elle m'annonce toute seule. Surtout qu'elle revient de vacances, il y a quoi, il y a 15 jours donc. Bah, non, mais c'est douteux cette histoire. Elle va faire quoi toute seule? Elle va regarder le plafond? Non, ouais. Pour se ressourcer, tu sais, avec un truc genre spa, hammam dans un hôtel. Ah ouais, elle va se faire masser avec son mec à côté. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Tiens, il y a vos messages avec l'appli Skyrock Swenty qui nous dit être jaloux, Sam, ne t'empêchera pas à ce que ta copine aille voir ailleurs. Et confiance en elle. Ouais, c'est Steve, je viens de l'avoir au téléphone, il peut pas nous prendre, il est sur la route. Bah on le salue quand mais même. C'est vrai que c'est pas bête ce qu'il dit. On a vu ton message. Marion, elle va se faire trancher les escalopes. Mais qu'est-ce que c'est que c'était ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Marion? Merci Marion. Marion, 26 ans, qui nous envoie un message. On te remercie, Marion. Ouais. Non, moi je tolérerai pas. On est ensemble, c'est pour la vie, y compris le week-end. Message de trop là sur l'appli Skyrock. Mais pourquoi elle te dit pas, vous pouvez vous ressourcer à deux? Ah non, elle va se ressourcer, mais toute seule. Non, mais t'es fatigué, tu lui dis moi aussi, je veux me ressourcer, dis-lui. Ah ouais, dis-lui, moi aussi, je prends un week-end. C'est vrai, elle va annuler. Non, ou alors tu sais ce que tu fais, tu la laisses prendre le week-end dans son hôtel et tu prends un week-end dans le même hôtel. Le même week-end, bizarrement. Ouais, ah ouais, avec la chambre à côté. Ouais. Oh bah dis donc, t'es là toi? C'est bizarre. Oh bah t'es venu avec un pote finalement. Alizéa qui nous dit faut pas voir le mal partout, il faut donner sa confiance à ta meuf et avoir confiance en elle. Ouais, elle va donner son huc, mais donne-lui ta confiance. Bon, écoute, Sam, de toute façon, la vie de couple, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. C'est après, je me dis, ça fait 5 ans, donc il y a quand même une confiance qui s'est installée, quoi. J'espère. Ouais, oui, peut-être qu'elle veut connaître autre chose. Ça serait mieux, oui. Peut-être qu'elle se lasse. Ah, ouais. Ça sera l'occasion de redémarrer le. C'est bien, à chaque fois, je trouve un argument pour me remonter le moral. Pour me mettre bien, il y a Karim, il arrive derrière et coup derrière la nuque, quoi. Ah non, mais c'est la vérité, gros, c'est. Bon, on va. Vous pouvez laisser vos messages pour Sam. Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages avec l'appli Skyrock, le 41759 et le Skyrock.fm. Il y a beaucoup de gars qui accepteraient pas, il y a même des filles qui accepteraient pas. Bah moi je pense que mon mec qui me dit ça, j'accepte pas en fait. Bah ouais, la coquine qui nous laisse un message. Bonjour la coquine qui nous dit moi j'accepterais pas non plus. Pourquoi elle part seule? Si chelou. Ouais, t'étais un peu comme Cariole, t'accepterais pas qu'il parte tout seul le week-end. Il se ressource à la maison. Voilà, il se ressource à la maison. Je lui parle pas s'il veut, mais pas à l'autre.
l'hôtel, quoi. Ouais, attends, mais est-ce qu'on a reçu un message positif pour toi, là, Sam? Je suis pas sûr. Si, j'ai lu. Ah, bah oui. Il y en a quand même très très peu, faut reconnaître. Par rapport aux autres, oui, ça c'est vrai, oui. Loïc, Sam, le cocu d'Île-de-France. Oh. La grosse moula, moi je pense que tu te voiles la face, elle te trompe, c'est sûr. Cabot, elle va se faire déglinguer. Merci pour les messages que vous nous envoyez. Oui. Merci la team. Ça sent l'excuse plan cul, fais gaffe mec, message de l'ange vert. Bon, vous nous laissez vos messages et puis essayez de remonter le moral de Sam là ce matin. Et on va se remonter le moral déjà, comme tous les matins avec Nabila là qui arrive, c'est notre réveil de star. Le réveil de star, hein, retrouvez tout de suite Nabila qui est actuellement enceinte. Elle est bien enceinte, hein. Je crois qu'elle est sur la fin là. Bon bah justement, on va fêter ça. Ah, j'ai raison, ça fait 3 ans qu'elle est enceinte. Oui, mais elle est toujours enceinte. Oui, puis elle est belle enceinte, je trouve. Ça va, hein, elle a un beau ventre et tout. Nabila, ça va. On va l'écouter maintenant pour le réveil de star. C'est elle qui réveille les Français. Il parle avec une star. Allô ? Mais ils ne savent pas. C'est qui ? Tu t'appelles comment, toi ? Nabila. C'est le réveil de star. Ouais. Bon, fais gaffe parce que là, c'est un match fiction. Seulement sur Skyrock. Et Nabila, bizarrement, qui va réveiller un Thomas ce matin. Étonnant, non ? Oui. Étonnant. Nabila et Thomas et la famille de Thomas qu'on a réveillé ce matin. On leur a passé un petit coup de fil. Voici le réveil de star à 6h18 sur Skyrock. Allez. Allô, oui ? Allô. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est qui ? Je m'appelle Nabila Benatia. C'est qui, l'appareil ? La grosse moula. Vous êtes bien, vous êtes pas la bonne adresse, hein ? Allô, Thomas. Elle veut te parler. Oui. Elle veut te parler. Oui ? Allô ? Oui. Allô, les gars. Bonjour. Mon amour de ma vie. Oui, ma chérie. Comment ça va ? Ouais, c'est un peu de foot. Je t'aime, et toi, tu m'aimes ? Ouais, bah, moi, pas, je sais pas qui c'est. Je m'appelle Nabila Benatia. C'est qui, Nabila ? J'ai toujours fait de la télé-réalité. Ouais, c'est beau, qui c'est, Nabila, hein. Le show, moi, j'adore faire le show. Oui, et tu vas continuer à faire si longtemps, non ? Qu'est-ce qui se passe ? On s'enlève les habits, là ? Écoute, tu me fais chier. Ouh là 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 là. Ouais, alors tu arrêtes de m'appeler parce que ça va mal finir. Je suis carrément sous le charme, quoi. Parce que j'ai ton numéro qui s'affiche, c'est marqué inconnu, mais j'ai le numéro qui s'affiche quand même. Donc je sais qui c'est qui m'appelle. Alors maintenant, tu arrêtes de m'emmerder parce que sinon, ça va mal finir. Alors, oui et non. Ouais, écoute, ça va bien. Mais lui, je l'adore. Mais toi, je t'adore. Toi, je te kiffe, je t'adore. Et ça suffit, sinon ça va mal finir et ça va très mal finir. Oula. C'est pas le bon numéro, hein. On se calme. Bah, c'est qui ? La grosse moula. Tu te fous pas de ma gueule, non ? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. T'es pas un peu bourré, connasse ? C'est chaud. Et si t'es bourré, tu vas te faire soigner, connasse. Connasse, voilà, très bien. Vous avez compris, elle est jalouse. Elle défend son Thomas, c'est bien. On a réveillé la femme de Thomas, on a réveillé Thomas. Et on a retrouvé Nabila, si vous voulez qu'on réveille quelqu'un avec Nabila, si vous avez un poteau ou une pote ou quelqu'un de la famille que vous voulez réveiller, n'hésitez pas. Hein. Vous nous laissez les numéros. On a les réveils de stars à retrouver le prochain, dans moins d'une heure sur Skyrock. Et dans un instant, on va retrouver notre invité Mystère. Oui. Avec une vidéo dont on va reparler. Et c'est pour ça qu'on va parler de la dernière fois où vous êtes passé pour un con ou une conne, ou une fois où vous êtes vraiment passé pour un con ou une conne, vous nous racontez. On va en reparler avec la petite vidéo qu'on vous propose là dans un instant. Préparez-vous. 6h-9h, bienvenue dans le morning de Difool. Tous les matins sur Skyrock. Aurel San sur Skyrock. La suite de docu d'ailleurs va bientôt passer. Vous savez, le premier docu qui a cartonné partout et dont on avait parlé avec lui. Montre jamais ça à personne. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est ça, sur Prime. La partie 2 qui arrive sur Prime là. Très très bientôt, ça a été annoncé hier. On vous en parlera sur Skyrock. Restez bien sur Sky pour tout savoir. Aurel San et Jour Meilleur à 6h24. On va bientôt découvrir notre invité mystère là. L'invité mystère dans un instant. Et puis il y a Mathieu qui est en ligne avec nous. Vous nous appelez, vous débarquez dans le morning. Salut Mathieu. Salut Difool, salut l'équipe. Salut à toi. Salut. T'as 28 ans, t'es dans l'Isère, toi Mathieu, c'est ça ? C'est ça, exact. Eh bien, salut toute l'Isère qui nous écoute. Il pleut chez toi ou pas ce matin ? Non, impeccable, moi. Ça fait une semaine, il fait super bon, ça fait du bien. Eh ben, écoute, profite bien. Nous, on est sous la pluie, c'est bien, ça change un peu. Enfin, je dis ça, sauf pour ceux qui sont sur la route, ça roule mal déjà ce matin. Ouais, c'est y a que déjà ça du monde. Pleuvoir à Paris, ça change pas là-bas. Oh, nous aussi, on a eu un temps depuis un ou deux jours. On a eu des bons week-ends, franchement. Ça allait, ça allait. Bon Mathieu, tu nous appelais pourquoi ? C'est pour réagir par rapport à Sam ou pour parler du moment où tu es passé pour un con dans ta vie ? Les deux, hein. On va commencer par Sam. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Sam ? Sam, rassure-moi. C'est vous venez de vous réveiller. Il se voit la face et franchement, je pense qu'elle le trompe. Ah, ça c'était donc pour ceux qui viennent de se réveiller. Un petit résumé de l'histoire. Sam est arrivé très angoissé ce matin en nous demandant ma meuf veut partir en week-end tout seul dans un hôtel pour se ressourcer. Est-ce que je dois m'inquiéter ? Toi, tu penses que pour lui
remonter le moral, qu'il faut vraiment qu'il s'inquiète. Ah ouais, moi franchement, ma femme elle me fait ça, mais je lui arrache la tête. Non, t'as pas le droit. Alors, tu n'as pas le droit d'arracher la tête à ta chérie. Je vais éviter. Ah ouais, tu le prendrais mal, toi, Mathieu. Ah ouais, bah ouais, carrément. Bon, merci pour ton remontage de morale de Sam. Ça va mieux, Sam, depuis ce matin? Ah bah super, je passe très bien. Ah bah ouais, c'est nickel. T'as bien fait de poser la question à 6h. Tu vois, il est 6h25, là ça va beaucoup mieux maintenant. Et puis pour le moment où tu es passé pour un con, on va retrouver une keuf là qui est passée dans un reportage. Elle est passée à la télé, elle s'appelle Patricia. Et elle va essayer de parler anglais avec un camionneur italien. On voulait vous le faire écouter parce qu'elle est exceptionnelle. Et donc toi, Mathieu, le moment où t'es passé pour un con, le pire, c'est quoi? Il n'y a pas trop de trucs. Si, il y a deux jours, j'ai changé mon capot et tu sais, je fais le tâteur un peu en mécanique et d'un coup, bah, il est revenu dans mon pare-brise. Ah ouais, donc tu tâtes rien du tout en fait. Ah ouais. Donc en fait, j'ai tâté rien du tout. Ah ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc le champion de la mécanique, c'est Mathieu. Eh bien, merci à toi, Mathieu, pour le témoignage. Et donc, vos réactions, vos messages, vous les envoyez vous aussi avec l'appli Skyrock, le 41759. Le coup, vous êtes passé pour un con, un truc qui vous a marqué. Vous nous envoyez aussi vos WhatsApp audio 06 86 101 101. Des bises, Mathieu, et puis on va t'envoyer dans le tirage au sort de 9h15 tout à l'heure. Peut-être si j'en pourrais gagner. D'ailleurs, l'équipe, je devais recevoir un pack digital, je l'ai jamais reçu. Ah. Et la dernière fois, j'ai gagné un PS5, vous m'avez envoyé un chèque de 500 €. C'est pas fait en travers, cool. J'aimerais bien 15 000. Ah non, oui, tu veux 15 000 carrément. Toi, tu veux tout, toi. Toi, tu veux tout. 500 €, peut-être tu fais du bénéfice en plus sur le prix de la PS5. Putain, de ouf. Bah non, c'est le prix au magasin quand tu vas pour l'acheter, gros. Après, tu l'achètes plus cher sur le bon coin, sur. Bah non, c'est 499. Ouais, ouais, bah, c'est 1 euro. Voilà, 499, c'est bien ce que je disais. 1 € en plus. Bien vu, Sam. Tu devrais te remercier. Bon, les 15 000 euros, c'est vendredi. J-2 pour les 15 000 euros pour les gagner. Vous envoyez 15 au 7-20-20 et vendredi, on vous tire au sort. Et puis là, on t'envoie le t-shirt au Skyrock, puis on va voir ce qui s'est passé pour le pack digital, mais c'est bizarre, hein. C'est la poste, à mon avis. On va régler ça, t'inquiète. La poste ou t'as un postier qui est en train de nous écouter avec tes écouteurs Bluetooth. J'ai appliqué le colis. Bon, le pack digital, bisous, Mathieu, hein. Raccroche pas. Allez, bisous, ciao. Bisous à toi. Ciao. On va, vous offrir votre pack digital, là, tout de suite sur Skyrock. Pack digital à gagner et puis un invité mystère à découvrir. Devine qui c'est. C'est l'invité mystère sur Skyrock. Alors, un invité mystère qui s'est mis en anglais aussi. Ah oui, pour introduire la keuf qui essaye de parler. C'est mis en anglais. Est-ce que tu te mettrais pas en français, toi? Ouais, on va se mettre en anglais. Allez. Yeah. 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 Vous l'avez reconnu? Non. Non. C'est compliqué. Facile. Alors. Anglais ou français? Bon, allez, anglais ce matin. My new album. Your new album. Comme tu le dis si bien. I got the keys. Tu as les clés. Oh, bah, ça va, ça pourrait être pire en anglais. But I don't want to tell you. Ok. Ton rappeur préféré? Jay-Z for me, c'est best. Ouais. The best of the best. The best of the best. Bon, il y a pire en anglais quand même. Il y a pire. Bah oui, il y a pire en anglais. C'est l'invité mystère. Un autre truc en anglais. Sky Rock. Bon, vous l'avez reconnu, vous envoyez vite son message. Allez, c'est qui le rappeur mystère? Vos réponses avec l'appli, le 41759 et le skyrock.fm. Et dans un instant, la petite vidéo, je vais vous parler. On va l'écouter ensemble. Restez bien sur Skyrock. Il est 6h28. The Morning Show. C'est la radio des numéros 1. Salut, c'est Angèle. C'est Tutu. Salut, c'est Val dans le morning de Tifoul. C'est Nino. C'est PLK. C'est Stromae sur Skyrock. C'est Kobalade. Sorel San. C'est Aya Nakamura. Les numéro 1 se réveillent avec Tifoul sur Skyrock. 6h-9h. Bienvenue dans le morning de Tifoul. Premier sur ton réveil. Et bienvenue sur Skyrock, 6h33, les infos de Rémi arrivent, du son pour nous réveiller, le meilleur son pour vous réveiller. Avec Naps et Gims, il y aura Best Life, on se fera siquer le grain des Toto. Il y aura du Lil Nas X tout à l'heure aussi. Et puis notre invité mystère à découvrir. Bon, il parle pas si mal anglais que ça en fait, notre invité mystère. Les langues étrangères, c'est important, vous allez vous en rendre compte dans un instant. Bien, aussi, c'est bien. Et on salue donc notre invité mystère qui est là, vous l'avez reconnu, notre invité mystère. Oh, quelle voix sensuelle. L'invité mystère à découvrir. Rock. Et oui, il est sur Skyrock. Et c'est Kevin qui l'a découvert, le premier. Kevin en direct du 40. Salut Kevin. Salut l'équipe, salut tout le monde. Salut à toi. Salut Kevin. Alors Kevin, qui est donc notre invité mystère, qui est sûr, comme il nous l'a dit? Skyrock. Oui. Eh ben c'est Karis. C'est Karis, exactement. C'est Karis. Et c'est une bonne réponse. Bon, Karis qui parle pas si mal anglais que ça. But I don't to tell you. You don't to tell me, ok.
Merci. Et Caris qui permet de gagner ton pack digital, le pack digital Skyrock, bravo. Kevin, il est pour toi. Et t'es inscrit en plus pour, le séjour Bel Embras à 2000 euros. Hein. Tu sais, les vacances qu'on va t'offrir tout à l'heure, une semaine de vacances à gagner pour 4 personnes. Elle sera peut-être pour toi, Kevin. Super, merci. Merci à tout le monde. You speak English? Attends sur le test. Yes, so do I. Yes. Oula, okay. ça commence fort. You speak you speak Spanish? Habla espagnol? Non, pas du tout. Pas du tout. parla italiano? Si, un po. Un po. Alors, ça se dit comme ça, un po? On a une OK. Là, on a une keuf qui ne parle aucune langue étrangère mais qui les parle toutes à la fois, vous allez comprendre. C'est une keuf qu'on a découvert dans un reportage à la télé sur la police, il y en a sur toutes les chaînes de télé et elle arrête un camion italien. Écoutez bien. Un camion italien et elle ne parle pas italien. Elle ne parle pas d'ailleurs non plus anglais. Elle ne parle pas non plus espagnol ni roumain. Bougez avec la saucisse là. Bougez avec la saucisse. Voilà. Parce qu'il y a un camion, il y a une saucisse dessus. Avancez. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là sur la voie rapide? Quoi? Si vous parlez qualcuno italiano. Non, pas italiano, non. Non, pas italiano. Pas italiano. Pas là, italiano. Speed. Speed. Ah, elle parle un peu anglais quand même. C'est un fou. Le camion, c'est. C'est un fou. Première voie. Pas seconde voie. Interdit. Interdit, mais là, c'est français. C'est là. Que du français là pour l'instant. Hein. Le mec doit rien comprendre. Les papiers, papier truck. Papier truck. Papier, permission de conduire. Permission de conduire, là c'est du roumain là. Là c'est roumain. Non, c'est espagnol le conducir. Ah, c'est espagnol, excusez-moi, ouais. Espagnol. Pour l'italien, ça va pas être facile. Patricia doit maintenant faire le contrôle de produits stupéfiants. Ah. Là, lèche les dents. Voilà. Lèche les dents. Lèche les dents. C'est-à-dire que même en français, moi, elle me demande ça, je ne comprends pas. Je fais boum. Ah ouais, moi non plus. Lèche les dents, ok. Constat pour l'accident, constat. You follow. Ok. Et moi, follow you. Okay. You follow et moi, follow you. Bon, ils ont quand même réussi à se comprendre. Vite fait, ouais, bah, par les gestes. Ouais, par les gestes, ouais. Par les gestes. Et ouais. Par l'amende aussi, c'est ça. Aussi. Ah ouais, là, ouais. Tout, ouais. Là, ils sont bien compris. Voilà, c'est donc une championne. C'est vrai que les langues étrangères, parfois, ça fait du bien. Ce qui me fait halluciner, c'est que quand même, au bout d'un moment, quand t'es keuf, tu devrais savoir quand même 2-3 trucs. Tu dis toujours la même chose. Hein, ah ouais, c'est vrai. T'apprends à dire constat en italien. Hein, t'apprends à dire constat en espagnol. Constat. Voilà. Ah, le grand saint pour voilà, amende aussi. Surtout que les gens, quand ils savent pas parler anglais ou une autre langue, tu sais, ils parlent fort, ils articulent, genre tu vas mieux comprendre. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, elle est lure là. Elle hurle, ouais, oui, elle écrit, oui. Bon, salut Patricia si elle nous écoute ce matin. Bon courage, bon courageio. Ah, bon courageio, ouais. Et good courage, on te le dit également, Patricia. Kevin, rendez-vous tout à l'heure à 9h15 pour le tirage au sort pour aller en vacances gratos avec Skyrock, ça peut-être pour toi. Pas de soucis, je vous attends. Eh ben, nous on croise les doigts pour toi, Kevin. Bonne chance, Kevin, ouais. Salut, Kevin. Dans un instant, merci. Les 1500 euros. Salut. Vite, parce qu'il est 6h37. Allez, Rémi, les infos. Allez, on fait le point sur la météo. Météo pour aujourd'hui, mercredi 13 avril. Ouais, un temps relativement mitigé. On a une perturbation pluvieuse qui se promène des Pyrénées à la Nouvelle-Aquitaine, au centre, au Val-de-Loire et en remontant vers la région parisienne et les Hauts-de-France. Quelques averses ce matin de la Bretagne à la Normandie, au pays de la Loire avant un timide retour des éclaircies du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. Le temps s'annonce encore très printanier et agréable. Là, ce sera sec, mais parfois nuageux de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la Corse. Les températures ce matin, on a 8 à Lyon, 10 à Lille et à Marseille, 13 à Paris. Cet après-midi, il fera 15 sur la pointe du Cotentin. On aura 17 pour la Haute-Garonne, 18 sur la côte basque, la Bretagne, mais aussi la région parisienne. 19 près des frontières du Nord, 20 dans la Loire et sur l'île de Beauté, 21 en PACA, mais également en Bourgogne. 22 si vous êtes au pied des Alpes, 23 en vallée du Rhône, 24 en Alsace. La pollution, c'est correct. Les indices entre 2 et 4. Et l'actu tout de suite sur Skyrock, juste avant vos 1500 euros, l'actu et le sport. Tony Parker, Boris Diaw, Pierre Gasly, Blaise Matuidi ou encore Dimitri Payet, Tony Yoka et Joe Wilfried Tsonga. Ils sont une cinquantaine de sportives et de sportifs à appeler à faire barrage à l'extrême droite dans une tribune publiée dans le Parisien aujourd'hui en France. Ils estiment que ce vote mettrait en danger les valeurs républicaines et serait le pire des remèdes. Selon eux, Emmanuel Macron est le seul choix possible au deuxième tour de la présidentielle. Ils n'imaginent pas que les JO 2024 à Paris soit marqué du sceau d'une présidence d'extrême droite. Une enquête pénale ouverte par le parquet de Paris après l'envoi de SMS par l'équipe d'Éric Zemmour à des Français de confession juive. La CNIL rappelle que le traitement des données à caractère personnel qui révèle les convictions religieuses est interdit. Ce fichier clandestin de dizaines de milliers de juifs constitue la plus massive exploitation de listes nominatives de juifs depuis la rafle du Veldiv. Dans ce SMS, Éric Zemmour pointait le problème de l'antisémitisme en France en dénonçant les racailles qui pour
pourrissent la vie des juifs. Des faits d'une extrême gravité mais qui demeurent extrêmement confus aussi. 5 agents de la police municipale de Nice ont été placés en garde à vue et suspendus par la ville. Ils sont sous le coup d'une enquête pour violence aggravée et séquestration. Un jeune homme qui aurait tagué un véhicule de police aurait été emmené par ses agents dans l'un des parcs de la ville pour y subir des violences. La garde à vue des agents est toujours en cours. Si les faits sont avérés, ils seront immédiatement révoqués. Une belle leçon de civisme. Un groupe de jeunes a aidé des policiers coincés dans une voiture retournée dans les rues de Marseille. Le geste, immortalisé dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux, a été salué par le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Les agents avaient été appelés en renfort sur une intervention et roulaient à vive allure dans les rues de Marseille. Leur véhicule a percuté un tramway et s'est renversé sur le côté. Ils sont ressortis un peu secoués avec quelques contusions. On parle de foot là maintenant. Oui, avec la Ligue des Champions pour commencer et ce magnifique match entre le Real et Chelsea. Il s'en est fallu de très peu, mais encore une fois Benzema a sauvé le Real avec un but de la tête dans les tout derniers instants du match. Alors forcément le Real s'incline 2-3 contre Chelsea, mais avec la victoire du match aller, ça suffit pour se hisser en demi-finale. Et Benzema, plus que jamais, un candidat très sérieux au Ballon d'Or. 12e but inscrit en C1, c'est un record pour un joueur français. Alors Villarreal est qualifié également. Match nul, un but partout contre le Bayern de Munich, mais Villarreal avait gagné à la maison au match aller. Aujourd'hui, Liverpool, Benfica, ce sera à 21h, Atlético de Madrid, Manchester City à la même heure. On suivra dans la radio libre la Ligue Europa, les quarts de finale retour, Lyon, West Ham, ce sera à 21h aussi. Pour rappel, match nul au match aller, un but partout entre les deux formations. Et puis Marseille aussi à 21h se déplace sur la pelouse de Salonique. Là, c'est la Ligue Europa Conférence. Un avantage pour les Phocéens qui avaient gagné 2-1 la semaine dernière. Merci Rémi, les infos viennent dans une demi-heure sur Skyrock. Il est 6h41. C'est l'heure des 1500 euros. On a 1500 euros à vous offrir. Et puis on va revenir au moment où vous êtes passé pour un con ou pour une conne. Ça arrive à tout le monde. Vous avez entendu il y a un instant la keuf. Patricia, ouais. Eh bien ouais, ça lui est arrivé, puisqu'en plus elle est passée à la télé, imagine. Elle a dû se faire traquer par tout le monde. Ah oui, j'avoue, tous les collègues, ouais. Elle a dû se faire traquer par tout le monde. Patricia, on l'a mis sur les réseaux, Patricia, on a la vidéo. On va la mettre. Bah, histoire qu'elle se fasse traquer encore un petit peu. Soyez sympa. On l'embrasse, Patricia. Et sois gentil avec les automobilistes aujourd'hui. Qui vont te traquer. Qui vont te traquer aujourd'hui. Bon journaux, Patricia. Et oui, bon journaux à vous. Et bonne chance. Good luck, comme on dit chez nous, pour les 1500 euros. 1500 euros à gagner. Un double appel inédit à retrouver aussi dans 5 minutes. Et votre horoscope de l'amour et puis du son. Naps et Gims qui arrive dans un instant. Dis-toi, comment tu vas ce matin? Je suis trop dans ma bad life. Bad life. Mais non, t'es pas dans ta bad life. Tu peux gagner 1500 euros maintenant sur Skyrock. Allez, 1500 euros à gagner tout de suite sur Sky. Et on va aller faire un tour à Clermont-Ferrand. Si vous nous écoutez à Clermont, 1500 balles, il faut répondre Skyrock. Et vous gagnez, c'est facile. On vous appelle ou par le radio, téléphone, Skyrock, le morning, c'est 1500 euros. L'Angerie Rousseau, bonjour. Bonjour les Rousseaux. Allô? Oui. Bonjour les Rousseaux, c'est la radio, téléphone. Bonjour. On est en direct à la radio. On vous appelle pour vous offrir 1500 euros ce matin. Ah bon? Oui, on fait ça tous les matins, toutes les demi-heures, on offre 1500 balles. C'est comment ton prénom? Marine. Dis-moi Marine, quelle est ta radio préférée? Si t'as la bonne... Il y a déjà de l'agitation dans la boulangerie ce matin. Hein. Si t'as la bonne, tu gagnes 1500 euros. Skyrock. Marine, il est 6h42. C'est non. Non. Attention. Il y en a un, il y a des good shots derrière. tu le diras, heureusement que c'est toi qui as répondu. Hein. 1500 euros, tu gagnes 1500 euros, Marine. Bravo. Bravo. Et ben voilà Marine. Un chèque de 1500 euros qu'on va t'envoyer à la boulange. J'entends des dédicaces à tous les barbus. Barbu, bouffe mal cul. Salut. Il est ton collègue. Ah, t'as un collègue, il est en pleine forme. Ah ouais. C'est qui derrière? C'est qui derrière? Allô, qui veut se faire bouffer tout ça? Allô? Oui. Oui, comment ça va? Bien, et vous? Ça va, et toi, ça va, tranquille, ouais. C'est le barbu. C'est toi le barbu? Non, c'est moi le barbu. C'est toi qui veux te faire bouffer le... Le barbu. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, repasse-moi Marine, c'est pas toi qui as gagné, hein. Ah bon? Ah bah, Marine? Bah oui, moi je veux Marine, moi. Bon, elle a gagné quoi, Marine? Elle a gagné 1500 euros. Ça ne regarde pas, mec. Oui, puis de quoi tu te mêles d'abord? T'es qui? T'es de la police? Non, bah non, ouais. Allez, passe-moi Marine. C'est qui, toi? Allez, je vous passe Marine. Allez, tu vous passes Marine. Allez. Allô? C'était qui? C'était le collègue? C'était le chéri? C'était qui? C'était le patron. Ah, le patron. Ah, c'est le patron. Ah, bah c'est bien. Il voulait gratter le patron. Le patron, il ne gagnera rien ce matin. C'est pour toi qui bosses pour lui. T'as gagné 1500 euros. T'es plus riche que le patron ce matin. Eh bah, c'est super. Bravo, Marine. T'as quel âge, Marine?
30 ans. Tu vas avoir 30 ans, t'écoutes Skyrock, tu gagnes 1500 balles à Clermont-Ferrand, bah ça fait plaisir. Tu vas faire quoi avec tes 1500 euros? Je suis en train de faire construire une maison, donc... Ça va servir. Voilà, et puis annonce à ton patron que tu vas prendre quelques jours de vacances en plus. Juste pour l'énerver, pour voir comment il réagit. Pour le chauffer un peu. Ouais, aujourd'hui, tiens, j'y vais. Là, allez, 6h44, j'ai fini la journée. Bravo Marine, raccroche pas, on va prendre tes coordonnées, puis on t'envoie ton chèque à la maison à Clermont. Ok, super, merci. Bisous Marine. Bisous. Bonne journée. Salut Marine, raccroche pas. Au revoir. 1500 euros à gagner, prochain rendez-vous, et parce qu'on recommence dans moins d'une demi-heure sur Skyrock. C'est ton morning. C'est le morning de Default sur Skyrock. 6h, 9h, tous les matins. Premier sur ton réveil. Et ouais, c'est la best life. On gagne 1500 euros pendant Skyrock. C'est Marine qui a gagné déjà au boulot. Et déjà 1500 euros. Et c'est pas fini. Encore d'autres chèques de 1500 euros à gagner sur Skyrock. Tenez-vous prêts. Le prochain, c'est juste après les infos de 7h. Et d'ici 7h, on a plein de choses à faire. L'horoscope de l'amour à découvrir dans quelques minutes. Là, le double appel arrive. Double appel inédit à retrouver. Ouais. Pour nous réveiller ce matin. Et puis du son à écouter. Ce sera Sikel. Le Grande Toto qu'on vous a préparé là pour nous réveiller tranquille ce matin. Et puis les messages que vous nous envoyez, la pire fois où vous êtes passé pour un con ou pour une conne. Et oui, il y en a qui sont passés pour des cons à la télé. Hein. On vous a fait écouter tout à l'heure Patricia Lacœuf, ouais. Avec ses talents de polyglotte. Ouais, c'est ça, ouais. Elle parle à peu près toutes les langues étrangères sans arriver à se faire comprendre. C'est quand même exceptionnel. Avec approximation. Et c'est ça. Et on vous a demandé à vous aussi si vous étiez passé pour un con ou pour une conne. Merci pour les messages que vous nous envoyez. On va vous mettre dans le tirage au sort d'ailleurs pour le séjour Bel Ambra à 2000 euros qu'on vous offrira tout à l'heure. Et on va mettre dans le tirage au sort Elvis. Ah bah qui est déjà loin. Bah tu vas peut-être offrir un séjour Bel Ambra en France. Une belle occasion de revenir en France. Il nous a laissé un message à Rio. Un message de Rio de Janeiro ce matin. Ouais, salut l'équipe. Ici, c'est Elvis de Rio. Salut. Bon, moi, je suis passé pour un con au Brésil quand j'étais avec des amis à un enterrement. Et bon, je parlais pas très bien portugais à l'époque. Et au lieu de dire mes sincères condoléances, ben, je lui ai dit félicitations. Aïe, aïe, aïe. Le gars, il m'a regardé. Et là, je savais plus où me foutre, quoi. Ah, bah bravo. Hein. Alors, vraiment, je voulais te féliciter. Félicitations. Pour... Oui, ça arrive. Ah, ouais, c'est horrible. Ah, ouais, mais ça met très, très mal à l'aise. Ouais, mais ça arrive. Quand tu sais que tu as dit une connerie, mais tu le vois directement à la gueule qu'a dû faire le mec en face, là. Ah, bah félicitations. Ah, ouais, chelou, putain. Ah, il me regarde bizarre. Oh, bravo. Ah, ouais, putain, la honte. Oui, j'imagine que t'as eu un petit moment de solitude à ce moment-là. Ah, ouais, forcément. Elvis. Merci pour ton message, Elvis. Je te mets dans le tirage au sort. Pour le séjour Bel Ambra de tout à l'heure. D'autres moments, vous êtes passé pour un con, pour une conne. On a le message de Biscotte. Bon, c'est Biscotte. Ça me dit Biscotte. Salut l'équipe, moi c'est Biscotte. C'est Biscotte. L'info que j'ai passé pour un con, bah, pour un vrai con même, bah, c'est quand je partais en déplacement, du lundi au vendredi. J'y vais avec ma petite compagne, et puis vu que j'avais peur qu'elle reste toute seule le soir, je demandais à mon frère, bien gentiment, d'aller la voir pour pas qu'elle reste toute seule. Et ben il a fini par se la taper, et maintenant ils sont ensemble. Là, je pense que j'ai bien passé pour un con. Aïe, aïe. Allez, ciao l'équipe, bonne journée. Oui, il y avait des personnes de confiance dans la famille. J'avoue, le frère. Le frère qui te fait ça, c'est terrible. Guigui, toi qui as un frère. Ouais, j'ai un petit frère, ouais. Oui. Non, mais jamais il me ferait ça, jamais. Imagine, rêvant un peu, tu sors avec une meuf. Et tu dis. Alors déjà que je galère pendant le morning avec les meufs. Et pendant la radio libre, occupe-toi un peu de ma meuf, va la voir, passe-lui un petit coup de fil. Et là, tu apprends que ton frère s'en occupe tellement bien qu'il se tape ta meuf. Ah non, ce serait horrible. Déjà que je galère un peu avec les meufs. Oui. Un peu, voire beaucoup d'ailleurs. Oui. Non, il sait que je galère, donc il pourra pas me la piquer. Enfin, j'espère. J'espère en tout cas. Je sais pas comment ça a dû être dans la famille d'ailleurs, Biscotte. Ah ouais, entre frères quoi. Tu peux nous faire bon délire, tu peux nous... Ah bah j'imagine, ouais. Tu peux nous envoyer un autre message pour nous expliquer comment c'était après. Ça va être sympa les repas de famille. Comment réagissaient les parents et tout. Bon, on t'embrasse, Biscotte. J'espère que t'as trouvé beaucoup mieux depuis. On te fait un bisou. Ah ouais, bisous, Biscotte. Tu gagneras, peut-être ton séjour à Bel Ambra tout à l'heure. Vos messages 06 86 101 101 pour réagir à tout ce qui se dit dans le morning. Profitez-en, vous nous envoyez tout ça, on les écoute. Et on en reparlera tout à l'heure hein, des pires fois où on est passé pour un con ou pour une conne. On va retrouver nos familles là tout de suite. C'est l'heure du double appel. Tiens, pour détendre Biscotte. La France est sur écoute. En attendant, qui c'est qui a commencé à appeler? Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Je suis désolée, c'est pas moi. Hein. Moi j'étais au lit en train de me faire baiser par mon mari. C'est le double appel de Default sur Skyrock. Ah, notre double appel avec des gens classe parfois, comme je l'aime. Allez, c'est parti. Notre double appel inédit. On a testé les familles juste avant, comme on le fait d'habitude, pour savoir s'il y avait du monde. Et là, on écoute la connexion entre nos familles. Alors, il y en a plusieurs, puisque c'est un double appel et c'est même un multi-appel. Donc, écoutez bien, c'est parti. Mise en contact tout de suite. Allez. Allô? Ah. Oui, comment vas-tu? Oh, bonjour. Bah, j'ai bricolé, ouais. Ah bon? C'est marrant, ça. Un peu tout. Un peu de ciment, un peu de...
C'est bien. Pas mal de choses, quoi. Allô. Allô. Super. Qui allô, tu oui. es là. Allô. Oui, dis-moi, qui tu es là. Dis-moi. Ils appellent plusieurs personnes, ils les mettent en rapport, et puis après, ils attendent que les gens y causent. Pas con. Pas con, pas con. Pour l'instant, c'est toi qui viens de m'appeler. Non. En fait, ils appellent plusieurs personnes, et ils les mettent en relation, et ils attendent que les gens s'insultent. Ah, ben. Bon, pas ou qu'ils s'engueulent, quoi. Donc là, ça va pas marcher sur ce coup-là. Donc voilà, je ne vous ai pas appelé, vous ne m'avez pas appelé non plus, mais voilà. Alors. Que c'est que ce bordel, putain? Allô? 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 Oui? 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 Allô? Oui? Allô? Oui, je comprends pas. C'est toi qui m'as appelé ce matin? Mais t'es complètement malade. Allô? T'es grave ou il faut que je fasse quoi? Faut que je te fasse soigner? Bon, à coup, je comprends pas du tout. C'est la gendarmerie de Luxeuil. Ah, bonjour la gendarmerie. Vous déterrez quoi? Pardon? Bonjour la gendarmerie. Pardon? C'est gendarmerie de Luxeuil. C'est qui le guignol qui parle? Allez, va coucher. Ah, je crois que vous faites erreur, là. Salut. Attends, mon gaillard, on sait qui c'est que t'es. Attends, mon gaillard. Connard. Là, je suis à poil, là. T'es un bon branleur, toi, par contre. Hein. Tu es comment, là? Tu es en usiette, là? Oui, tu es. T'es un beau petit guignol, hein. Mais tu es toujours aussi chaud, là. T'es toujours aussi con, oui. T'es un bon branleur. Et tu sais, mon gars, je vais te dire quelque chose, hein. On a porté plainte, là. Ah. Et puis ton numéro masqué, hein. Eh ben, tu vas te faire baiser, mon gars. Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? Hein? Tu vas te faire baiser la gueule? Connard, va. Connard, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris. Ah, j'ai eu du mal à comprendre aussi. J'ai pas compris. C'est vrai, on était en Haute-Saône. C'est du patois de Haute-Saône. Haute-Saône ce matin à l'honneur dans le morning pour notre double appel à retrouver dans moins d'une heure tout à l'heure. Tenez-vous prêt, un nouveau double appel tout à fait inédit à retrouver. C'est sur Skyrock dans le morning. Et dans un instant, c'est l'horoscope de l'amour. Il est 6h54. 6h-9h sur Skyrock. C'est le morning de Diffoul. Le son qui fait du bien, c'est quel grain des totos sur Skyrock avec Love One Titi à 6h56. Et les pires fois où vous êtes passé pour des cons, il y a Adil qui nous envoie un message. Bah, la pire fois où je suis passé pour un con, c'est quand ma belle-mère a sonné chez moi un matin. Je croyais que c'était ma meuf. Je lui ai ouvert la porte en boxer avec une gaule pas possible. La boulette. J'aime bien ça. Oui, la grand-mère, la belle-mère a peut-être adoré aussi. Mais franchement, peut-être. C'est mignon ça. C'est drôle. Moi, c'est quand les gendarmes ont sonné. Bah tiens, encore un truc au réveil là. Benjin Moon qui nous envoie un message. C'est quand les gendarmes ont sonné à ma porte pour m'annoncer qu'on m'avait volé mes deux voitures. Je l'aurais ouvert en caleçon. Ouais, en fait, t'as dû être vite refroidi là. J'imagine que la mauvaise nouvelle a fait passer la honte très très vite. Ah ouais, je pense, ouais. Tant t'as tiré deux voitures, pas de chance. Merci pour ton message. Vous nous envoyez vos messages, on en reparlera tout à l'heure. Les pires fois où vous êtes passé pour des cons, pour des codes, 06 86 101 101, les WhatsApp. Et sinon, l'appli Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm. Oui. Benji, je te mets dans le tirage au sort tout à l'heure pour le séjour bel en bras. Adil, même chose. Il est 6h57. Allez, on fait l'horoscope de l'amour. Tu veux savoir comment va se passer ta journée? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce mercredi 13 avril, on va découvrir les 12 signes et les puissances amoureuses en démarrant par le zéro du jour. Attention, le verdict tombe. Vous êtes Verseau, vous êtes Lion, vous avez zéro. Mais heureusement, on a les conseils Skyrock pour vous. Attention à votre côté un peu pessimiste aujourd'hui qui pourrait faire fuir les autres. Souriez à la vie et vous le savez, la vie vous sourira. Ouais. C'est notre conseil du jour. Les Gémeaux et les Balances, vous avez 1 sur 5. Un petit malentendu amical ou amoureux pourrait prendre des proportions un peu inhabituelles. Laissez pas pourrir la situation. Une bonne explication fera l'affaire et ça ira beaucoup mieux après. Les Béliers et les Scorpions, vous avez 2 sur 5. Vous aurez envie aujourd'hui et besoin d'être un peu solo pour réfléchir. Bon, faites-le savoir aux gens que vous aimez et faites-le avant de saturer. Les Capricornes et les Sagittaires, on est bien, on a 3. Ouais. On saura quoi faire, on saura quoi dire pour rassurer ceux qu'on aime aujourd'hui. Les Cancers et les Poissons, ça monte encore, vous êtes à 4. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui pourrait vous dévoiler ses sentiments aujourd'hui ou quelqu'un qui pourrait vous intéresser. Et si vous êtes en couple, bon, il n'y a rien à dire, tout va très très bien. Et pour finir, les Taureaux et les Vierges, vous êtes à 5 sur 5, c'est une journée idéale pour vos amours. Votre morale et votre libido sont en hausse et au beau fixe en ce mercredi. Profitez bien, dans un instant, on va parler loisirs et c'est notre grand référendum qu'on va lancer. Restez bien sur Skyrock, on en reparle dans une minute là. Tous les matins, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock.
J'écoute le morning de Difool dans toute la France. C'est là qu'ils pensent. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Ouais, ouais. Ils sont prêts à tout. Ouais. Pour te réveiller 6h, 9h tout le matin. Premier sur son réveil. 7h du matin sur Skyrock, bon réveil et belle journée, on est mercredi. Dans deux jours, il y a 15 000 euros à gagner. Et oui, dans deux jours, on est le 15. Le 15, c'est 15 000 euros sur Skyrock. Ouais. Réveillez-vous avec nous mercredi, on est aujourd'hui, donc vendredi, c'est ça. Dans deux jours, c'est vendredi. C'est réveillez-vous ça. Avec nous vendredi matin. Et c'est 15 000 euros pour vous, vous envoyez 15 au 7-20-20 pour gagner vos 15 000 balles. Tenez-vous prêts. Et attention, attention, du foot à suivre avec un invité mystère à découvrir. Vous aimez le foot, vous voulez gagner votre pack digital et peut-être votre séjour bel en bras à 2 000 euros. Votre séjour de vacances. Écoutez bien l'invité mystère, on le retrouve à 7h20. Et juste avant l'invité mystère, on aura Nabila pour le réveil de star. Ça faisait longtemps, Nabila va bientôt accoucher. Et donc on s'est dit, allez, avant l'accouchement, on va la faire draguer des Français, ça va lui faire du bien. ça fera un beau bébé. Ouais, c'est bien, ouais. Donc le réveil de star et Nabila à retrouver. Notre référendum tous les matins, le grand référendum. On va ce matin parler du temps libre des Français. Les Français passent 6h15 à vivre leurs loisirs préférés. Quels sont les loisirs des Français? On va les découvrir. Et puis nous, on va vérifier le sondage ce matin. Vous allez nous dire, compte sur vous pour vérifier tout ça, sur l'appli Skyrock, sur le hashtag Morning Difool. Mais 6h15 ça me paraît beaucoup, 6h15. 6h15 par jour. Ouais, c'est en moyenne. Par jour de loisirs. Ouais, 6h15, je pense. C'est le temps libre des Français. Genre la télé, tout ça, ça fait partie du loisir. Ça fait partie des loisirs. Ah. Donc on a 6h15 par jour où on fait autre chose que travailler et dormir. Mais quand tu fais la cuisine, c'est un loisir? Ça dépend, ça peut être une corvée, c'est pas considéré comme un loisir. Ça me paraît beaucoup. Pour certains, ceux qui aiment faire la cuisine, ça peut être un loisir. Ouais. Par exemple, si vous faites le ménage et que c'est pas un loisir, ce n'est pas compté comme un loisir. Le temps libre, c'est tout ce qui est en dehors des trucs chiants. Vous voyez, en dehors du boulot, en dehors de tout le reste. C'est quoi votre loisir préféré? C'est ce qu'on voulait vérifier avec vous. Manger. Je vous parlerai des résultats du sondage qui a été fait sur 14 000 Français. Donc, Cariole, toi, tu répondrais manger. J'adore manger, j'adore cuisiner, tout ça en écoutant la radio et en regardant la télé. Alors, donc, manger, regarder la radio, écouter la télé. C'est ce que j'ai dit? Non, c'est pas. Donc, et cuisiner aussi. Et cuisiner. Donc, t'as 4 loisirs en un, toi, dis donc. C'est pas mal. Pas mal. Donc, vous nous laissez vos messages, allez-y. Appli Skyrock, 41759, le hashtag Morning de Difool, je vous le disais. Et puis, vous pouvez nous dire aussi si vous avez des loisirs un petit peu originaux au 06 86 101 101 avec les WhatsApp. Vous nous envoyez vos WhatsApp audio. Comme ça, on vous écoute en direct dans le morning. Les loisirs des Français, on reparle de ce sondage. Je vous en reparle tout de suite après les infos de Rémi. Mais oui, parce qu'il est 7h03, c'est l'heure de l'actu, Rémi. L'actu et le sport, on va faire le tour de tout ce qui s'est passé dans le monde. Mais d'abord, le tour de France de la météo. Quel temps pour aujourd'hui? Un temps relativement mitigé. On a une perturbation pluvieuse qui se promène des Pyrénées à la Nouvelle-Aquitaine, au centre Val-de-Loire et en remontant vers la région parisienne et les Hauts-de-France. Quelques averses ce matin de la Bretagne à la Normandie, au Pays de la Loire avant un timide retour des éclaircies. Du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, le temps s'annonce encore très printanier et agréable. Ce sera sec mais parfois nuageux de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et sur la Corse, les températures entre 5 et 13 degrés. Nous avons 8 à Lyon, 10 à Lille, 11 à Marseille, 13 à Paris. Cet après-midi, il fera 15 sur la pointe du Cotentin. On aura 17 sur la Haute-Garonne, 18 en région parisienne, mais aussi sur le bassin aquitain et la côte basque. 19 si vous êtes près des frontières du Nord ou encore en Normandie. 20 dans la Loire et sur les Ardennes. 21 en PACA et sur la Bourgogne. 22 pour le territoire de Belfort. 23 sur la vallée du Rhône. 24 en Alsace. La pollution, c'est correct. Les indices entre 2 et 4. Et l'actu, tout de suite, toute l'actu comme promis sur Skyrock. La guerre en Ukraine, alors que Vladimir Poutine qualifie le massacre de Boutcha de fake, Joe Biden l'accuse pour la première fois de commettre un génocide. L'armée russe continue de mettre la pression et de bombarder l'Est où se massent ses troupes au 49e jour des combats. 22 000 personnes pourraient être décédées à Mariupol, selon les autorités locales. Une nouvelle journée de campagne bien chargée pour Emmanuel Macron. Après le Nord, lundi, le président candidat était dans l'Est hier au programme Bain de foule le matin à Mulhouse et rencontre avec des soignants. Puis direction Châtenois sur le thème de la sécurité. Le président a été confronté au bilan de son quinquennat. Il a notamment été pris à partie par des soignants. Emmanuel Macron s'est défendu en expliquant que le milieu hospitalier manquait de personnel. Il rappelle que son gouvernement a investi dans l'hôpital comme jamais auparavant. Le président sortant tire également la sonnette d'alarme sur le programme de Marine Le Pen. Il considère que ce deuxième tour sera aussi un référendum sur l'Europe. La candidate d'extrême droite veut changer les règles, mais elle les changera toute seule, selon le chef de l'État, qui affirme qu'elle veut quitter le E. Mais
sans le dire. Marine Le Pen était à Vernon hier dans l'heure. Conférence de presse sur la démocratie et l'exercice du pouvoir. La candidate RN a été interrogée sur le fait que systématiquement, les journalistes de quotidien sur TMC ne sont pas les bienvenus. Une décision arbitraire et une entorse, il faut le dire, à la liberté de la presse que Marine Le Pen assume sans détour. Elle estime qu'il n'y a pas que des journalistes dans le programme présenté par Yann Barthès. Il s'agit à ses yeux d'une émission de divertissement et non pas d'un programme d'information. Elle insiste en rappelant que chez elle, dans son QG, dans son mouvement, bien elle est chez elle, tout simplement. Ah non, mais les journalistes, il n'y a pas de journalistes chez Quotidien. Ah non, non, mais pardon, si c'est que Quotidien, s'il n'y a que ça. Non, Quotidien, c'est pas une émission d'information ou de journaliste. Quotidien, c'est un amuseur. C'était une conférence sur la démocratie. Oui, oui, démocratie et l'exercice du pouvoir, c'est ça. Bon. Des chocolats qui rendent malades les enfants, des familles choquées, des friandises retirées en urgence, des supermarchés et une usine en Belgique fermée par les autorités. En seulement 4 jours, l'affaire Kinder est devenue un scandale mondial. Et ce n'est peut-être pas fini. Les autorités britanniques avaient prévenu le groupe agroalimentaire dès le 23 mars d'un possible lien entre des contaminations à la salmonelle et ses chocolats. La marque Ferrero n'a pourtant procédé au rappel de ses friandises que 12 jours plus tard. Une enquête interne est toujours en cours. La chasse à l'homme qui se poursuit à New York. Un individu a ouvert le feu dans le métro à Brooklyn après avoir lancé 2 fumigènes. Au moins 16 personnes ont été blessées, dont 10 par balle, sans que leur jour ne soit en danger. La police écarte la piste terroriste. Le tireur était muni d'un masque à gaz et ses motivations ne sont pour l'instant pas connues. Et le poids sur le sport maintenant. Et bravo à Karim Benzema. Et oui, qui a encore inscrit un but hier et qui permet à son équipe une nouvelle fois de monter, de se qualifier en demi-finale de cette Champions League. Real Madrid 2, Chelsea 3. Une défaite donc, mais la victoire du match aller 3-1 suffit amplement pour se qualifier pour la suite de la compétition. Villarreal se qualifie également malgré le match nul hier contre le Bayern. Un but partout sur la pelouse munichoise, mais Villarreal avait gagné 1-0 au match aller. Aujourd'hui à 21h, suite des quarts de finale retour de cette C1, Liverpool-Benfica, Atlético Madrid-Manchester City. On suivra ça dans la radio libre. Manchester qui a un avantage sur l'Atlético puisque victoire des Citizens 1-0 au match aller, alors que Liverpool avait largement battu Benfica 3-1. Et puis bravo pour l'équipe de France féminine de football qui s'impose 1-0 contre la Slovénie et se qualifie, ça y est, pour le mondial. Eh bien, bravo. Oui, on a suivi ça hier soir. Ouais. Merci Rémi. Les infos reviennent tout à l'heure à 7h30. Un bon réveil à vous. Il est 7h08. On va vous offrir 1500 euros. On salue Marine de Clermont qui a gagné 1500 euros il y a une demi-heure. Bravo à elle. C'est peut-être votre tour dans un instant. 1500 balles à gagner. Et vos loisirs préférés. C'est quoi vos loisirs préférés? Ou loisirs pour lequel vous passez le plus de temps? Sur lequel vous passez le plus de temps? 60% des Français utilisent leur temps de loisir sur des écrans. Ah. Donc télé, ordi, téléphone portable. 60% du temps de loisir des Français aujourd'hui, c'est sur les écrans. Ah, moi, même pour moi, je pense que c'est encore plus. C'est terrible, non? Ouais, bah terrible. Bah, je sais pas si c'est terrible. Bah 17% des activités maintenant, c'est hors domicile. Seulement 17% des activités hors domicile. C'est-à-dire que les gens sortent à 17% et tout le reste, c'est à la maison, ouais, mais... enfermé. Ouais, mais parfois il pleut. Parfois il pleut. Parfois il pleut, oui, c'est vrai. Ouais, merci. L'excuse, oui, oui. La pire excuse. Parfois il pleut. Parfois il pleut. Oui, parfois il pleut. Parfois il neige aussi. C'est quoi votre loisir préféré? Pour les Français, en 1, c'est les échanges sur les réseaux sociaux. En 2, regarder des films et des séries. En 3, le suivi de l'actualité. Ah, c'est anxiogène. Oh. Ah ouais. Ouais, moi je peux y passer la journée avec 3 écrans. Ah oui, c'est vrai, tu regardes CNN. Hier j'étais sur CNN, ouais. BFM, Fox News. Fox News. Ouais, c'est vrai. Qui c'est qui lui l'a dit? Bah, à ton avis, personne n'était chez toi. J'ai des caméras chez toi. Ah, mais je suis con, moi. Je te regarde. En 4, les jeux vidéo. En 5, l'écoute de la musique et de la radio. En 6, faire les magasins. En 7, pratiquer un sport. Ah, quand même, il y a deux trucs à l'extérieur. Faire les magasins et pratiquer un sport. Vous avez vu, ça arrive en 6e et 7e position. Il n'y a pas lire un livre? Si, après, c'est juste après. En 8, c'est lire un livre ou une BD ou des mangas. Pourquoi tu lis beaucoup, Sam? Quoi de mieux qu'un bon bouquin? Ah. En 9, jouer avec les enfants ou à des jeux de société ou à des trucs comme ça. Et en 10, aller dans des bars ou des restos. Le ciné arrive seulement en 11e position et assister à un concert ou un match de foot. Tu vas me dire, c'est vrai qu'il ne va pas toutes les semaines. C'est assister à un match de foot en 12e position. Ouais, en plus, il pleut des fois. J'ai un ami qui me l'a dit aussi. Il y a du vent aussi. Ouais. Ça souffle. Bon, vous nous dites quels sont vos loisirs préférés. Allez-y avec l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm. Si vous avez des loisirs originaux, on prend aussi. Hein. On en reparle avec vous. Allez, tenez-vous prêts. Et puis, on reparlera football avec l'invité mystère à découvrir à 7h20. Et on vous offre de l'argent, 1500 euros à gagner tout de suite. Il est 7h10. 1500 euros.
Choper maintenant sur Skyrock. 1 500 € à gagner. Et c'est pour qui les 1 500 €? Ben, c'est pour quelqu'un qui habite à Dijon. On va dans le 21 et à Dijon, la capitale de la Côte d'Or, chez Nicolas Sanchez. Il pourra s'en acheter d'ailleurs s'il gagne les 1 500 €. T'es bête. On va s'acheter des chaises, mais. À tout va. Faire. C'est ça. Des chaises musicales. Refaire le salon, refaire la cuisine, refaire tout ça. Allez, Nico, 1 500 €, c'est avant la cinquième sonnerie qu'il faut répondre. Et il faut évidemment répondre Skyrock le morning pour gagner les 1 500 balles. Bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de Nicolas. Ah, veuillez laisser un message, je vous rappellerai. Ah, au revoir. Vous pouvez laisser d'ailleurs Skyrock sur le répondeur. Ça fonctionne, ouais. Vous laissez Skyrock sur le répondeur et vous répondez Skyrock si on vous appelle. C'est les bonnes méthodes, les bons moyens de gagner 1 500 €. Bon, on embrasse Nico, on garde le chèque pour le prochain coup. Faites comme Émilie, hein, répondez Skyrock, c'est 1 500 € à gagner. Direct, facile. Dis-moi, quelle est ta radio préférée, Émilie ? Skyrock. C'est bizarre, mais je le sentais bien, Émilie. Ouais, ouais, pareil. Tu viens de gagner 1 500 €. Bravo, Émilie. Bien joué. Merci, merci beaucoup. Eh ben, j'espère que vous nous direz merci tout à l'heure à 7h30 pour le prochain rendez-vous. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et t'écoutes le Morning de Default sur Skyrock. Et de ce bébé sur Skyrock, Lil Nas X, il y a Yanns qui arrive, qu'on va écouter là avec Kiki Pampan. Il y aura The Weeknd, Nino aussi. Le Refait Tour démarre dans 2 jours. Dans 2 jours par Grenoble et il tourne dans toute la France, Nino. On l'écoutera avant 8h du matin. Et puis vos loisirs préférés, on va en reparler avec le grand référendum. Tous les matins, on vous demande votre avis et vous donnez votre avis sur Skyrock. On vous donne la parole, prenez-la, c'est gratuit. Il y a Imen qui nous dit, moi, mon loisir préféré, c'est faire des câlins à mon chéri. Oh, oui. C'est mignon. Il en a de la chance, ton chéri, Imen. Un gros bisou à toi, je te mets dans le tirage au sort pour le séjour Bellambra. Kylian nous envoie un message aussi. Moi, mon loisir préféré, c'est retaper des voitures. Ça énerve ma chérie, elle a l'impression que je les aime plus qu'elle. Ouais, mais vaut mieux taper des voitures que d'autres meufs. Donc, exactement. Puis vaut mieux taper des voitures que de taper ta meuf aussi. Hein. Dis-lui ça, Kylian. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes fan de voitures, on parlera d'un gars exceptionnel. Un gars qui est très très riche tout à l'heure. On en reparlera avant 8h du matin, c'est promis. Et puis, on te mettra en contact avec Rémi, ça va te faire plaisir, Kylian. Et sinon, on parlait des pires moments où on est passé pour un con, pour une conne. Vous nous avez laissé plein de messages. On va faire un petit tour sur les WhatsApp que vous nous avez envoyés avant d'écouter Nabila pour le réveil de Star. Un petit tour sur vos messages. Un petit moment de solitude pour Rudy. Écoutez bien ce qu'il nous a envoyé au 06 86 101 101. Salut l'équipe, Rudy du 6-2. Salut Rudy. Donc moi, c'est ma femme qui est passée pour une conne. Quand on a croisé l'ancienne voisine... qui bosse chez Flunch. Oui. Et là, ma femme lui dit, ah, ça y est, on attend le troisième. Oh. Aïe. Elle lui répond, non, j'ai juste grossi. Je me suis retourné, je savais plus où me mettre. Allez, bonne journée, l'équipe, bisous. Il y avait buffet gratuit chez Flunch. Il y avait légumes à volonté. C'est toujours très, très gênant, ça. Ça m'est arrivé, moi aussi. J'ai déjà eu ce genre de plan avec une copine. Des bisous à ta chérie, Rudy. Tu diras que t'as parlé d'elle sur Skyrock ce matin. Et tu partiras peut-être en vacances grâce au séjour Bellambra, je te mets dans le tirage au sort. Ouais. Il y a Mel aussi qui a eu un petit moment de solitude, une grosse honte qu'elle s'est tapée. Hello l'équipe, alors moi c'était au boulot, je suis ambulancière, donc j'arrive dans un ascenseur bondé et ils me disent c'est bon, allez-y, rentrez. J'ai dit ok, ça marche, il n'y a pas de souci, je me ferai toute petite en disant je prendrai pas beaucoup de place. Oui. Et en fait, dans l'ascenseur, il y avait une personne atteinte de nanisme. Ah, une personne de petite taille. J'ai eu le plus gros blanc de toute ma carrière et de toute ma vie. Voilà, bisous l'équipe. Oh, il a dû en rigoler. Ouais, tu l'as pas dit méchamment. Oui, ça passe. C'était pas méchant. Et puis, c'est comme un petit moment de solitude que vous viviez, que vous avez du mal à assumer. Vous nous en parlez, ça fait du bien. J'espère qu'on t'a fait du bien, Mel. Et Sam aussi nous a envoyé un message. Salut l'équipe. Ben moi, le jour où je suis passé pour un con, c'est je vais à la station service, je mets le plein. Je regarde le réservoir d'essence, je vois qu'il est en bas. Je trouve ça bizarre, je vais voir le responsable, je lui fais un bordel, je lui dis c'est pas normal, j'ai payé, mon réservoir il est vide, alors je viens de mettre le plein et tout. En fait, je m'étais trompé d'aiguille sur le tableau de bord. Ah oui. Merci l'équipe, bonne journée. Toi, t'es un spécialiste de la voiture. Ah ouais, toi. Toi aussi, je vais te mettre en contact avec Kylian et avec Rémi. On t'embrasse, Sam, et vous envoyez vos messages 06 86 101 101. Et Nabila, pour le réveil de Star ce matin, ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas venue réveiller les Français. Et elle arrive toujours aussi sensuelle, puisqu'elle appelle les Français pour leur déclarer son amour. Nabila, à 7h18 sur Skyrock. Il parle avec une star. Allô ? Mais ils ne savent pas. C'est qui ? Tu t'appelles comment toi ? Nabila. C'est le réveil de Star. Ouais. Bon, fais gaffe parce que là, c'est un match pif. Seulement sur Skyrock. Eh ouais, elle appelle les Français, elle déclare son amour et elle en a réveillé la famille de Jean-Luc ce matin. On a appelé chez Jean-Luc. C'est Jean-Luc. C'est parti avec Nabila. Allô ? Allô ? Ouais ? Bonjour tout le monde.
Ouais, c'est qui? Je m'appelle Nabila Benatia. Oh! Mon amour de ma vie. De quoi? Je t'aime. Allô? Allô? Eh oh, ça va là? Je suis carrément sous le charme, quoi. Mais arrêtez vos conneries un peu. Je sais pas, quand je regarde, je me dis, mais il est trop beau, genre... Ah bon? Bah alors, venez ici. Bah on y va, quoi. Eh, vous en voulez une, un peu? Franchement, t'abuses, hein. Non mais, vous êtes complètement taglé ou quoi? Je vais péter un plomb. Mais qui ça, là? Oh, la jalouse. C'est ça, là, ou pas? Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Allô, les gars? Oh, mais, c'est qui ça? J'entends. Allô? S'engueule. Je t'aime, et toi, tu m'aimes? Je t'emmerde aussi, moi. Mon amour de ma vie. Je t'emmerde. C'est quoi, toi? Elle est encore là, cette pute. Elle est complètement dingue ce matin. Ça va finir, votre cinéma. Ah, mon cœur. Ouais, je vais pas avec n'importe qui. Qu'est-ce qui se passe? On s'enlève les habits, là? Non, pas question. Ouh là 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 là. Bon, bah ça va, maintenant, on a bien compris le petit jeu. Alors tu commences à me faire chier, espèce de pouf. On se calme. Tu reconnais comment, mon amour à moi? Mon amour de ma vie. C'est mon amour à moi. Depuis quand tu le connais, espèce de sale? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ah ouais, parce que toi, tu lui fais quoi? Absolument tout. Ah ouais, c'est vrai, avec tes petits sextoys, tes machins, tes trucs. Tu fais que je tire les pampons sur le chihuahua aussi? La grosse moula. Ouais, bah alors toi, ferme ta grande gueule, petite morue. Ouais, ok. Là, la conversation, je suis en train de l'enregistrer et je vais au flic. Très bien, bah réécoute là, tu vas te marrer. C'est la femme de Jean-Luc et Jean-Luc pour le réveil de star, un nouveau réveil de star à pas louper, bah, c'est dans moins d'une heure. Et oui, on retrouve Nabila ce matin dans le réveil de star et dans un instant, on va parler foot avec un invité mystère à découvrir. Tous les matins, 6h-9h, le morning de Difool sur Skyrock. C'était clic clic pom pom sur Skyrock, c'était Yann, s'il était avec nous la semaine dernière dans le morning et demain c'est Franglish. Soyez là, Franglish qui va se réveiller avec nous entre 6h et 9h. Ouais. Les numéros 1 se réveillent sur Skyrock, vous aussi vous réveillez sur Sky. Et ouais, faites partie des numéros 1, c'est bien. Dans un instant, on va reparler de nos loisirs préférés. On va faire un petit tour d'équipe. Là, vos loisirs préférés, qu'est-ce que c'est? Alors. Écoute, moi je t'aurais dit jouer à la PlayStation. Ouais. Ah, j'avais pas pensé à ça pour toi, Guigui. Et je pensais aussi à un autre truc du coup. Oui. C'est j'aime bien Pornhub. Me promener sur mon téléphone, regarder des films à droite à gauche. C'est ça, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Bon, tout le monde a compris. Les films d'action. Toi, tu es très film d'action et très film d'action. Et très PlayStation. Et très PlayStation aussi, ouais. C'est ton loisir préféré. Rémi, c'est quoi ton loisir préféré? Dormir, non? Oh, j'ai pas le temps de dormir. Non, parce que Rémi, c'est un businessman. Non, c'est dormir aux toilettes. Voilà, c'est ça. C'est quoi ton loisir préféré? Ah, moi, tout ce qui est sport mécanique. Donc justement, on va en parler, tu vas être content parce que tout à l'heure, on va parler du plus grand hummer du monde. Ah, oh. C'est un tchèque. C'est un tchèque qui s'est fait... Un tchèque, vous savez. Ouais, un tchèque. Avec du pétrole, de l'argent, tout ça. qui s'est fait construire le plus gros hummer du monde. On va reparler avec vous juste après 7h30 tout à l'heure. Déjà que le hummer, c'est balèze. C'est balèze. Ah non, mais alors, lui, le grand du monde, j'adorerais... Ah, il est balèze de chez balèze. Mais c'est du sur-mesure. Oui, c'est lui qui se fait faire, ouais. J'ai vu. Quand t'es super riche, tu peux te faire faire plein de trucs. Vos loisirs préférés, Sam? Alors, en ce moment, c'est le coloriage pour adultes. Voilà, coloriage pour adultes. Alors, putain, mais des activités. Non, mais j'ai demandé des trucs originaux, c'est bien, Sam. Eh, mais tu sais que c'est pas bête parce que j'ai acheté des sablés Kamasutra que tu peux dessiner toi-même. Des sablés Kamasutra, c'est quoi ça? C'est des petits sablés en forme de Kamasutra. Ouais. Et toi, tu dessines dessus des zizi, des seins. Mais c'est quoi un sablé? C'est un gâteau. Un petit gâteau. Pourquoi tu dessines sur un gâteau? Mais quel est l'intérêt de dessiner sur un gâteau? C'est une boîte de gâteaux Kamasutra. Oui. Donc, tu peux colorier tes gâteaux. Vous êtes chelou. Et c'est quoi le coloriage? C'est du coloriage pour te détendre, en fait. Ça existe, ouais. Moi, je comprends, Sam, pourquoi ta meuf va se ressourcer. Hein. Ah, moi, je comprends pourquoi elle se barre aussi. Oui, ça. Ah, c'est elle qui a commencé. Non, elle m'a donné envie de faire ça. On a tout compris, ouais. Et Karim, tes loisirs préférés? Le téléphone, regarder du foot. Téléphone et regarder du foot. Ouais, la famille, sinon. Ok. Vous nous laissez vos messages, on en reparlera avec le premier point sur notre grand référendum. Ouais, puisque ça arrive. Le référendum du morning, vos loisirs préférés. On en reparle juste après les infos de 7h30 aussi. Et là, on a un invité mystère, on parlait de foot. Et ben, ça tombe bien. L'invité mystère, footballeur mystère à découvrir sur Skyrock. Devine qui c'est. C'est l'invité mystère sur Skyrock. Écoutez sa voix, si vous le reconnaissez, eh bien, vous gagnez votre pack digital, les enceintes Skyrock, les écouteurs Bluetooth, les Powerbank Sky. On vous les file tous les matins. Tout ça pour votre téléphone et en nous envoyant un message en nous disant qui est l'invité mystère, qui est très content de lui. Oh là, je l'ai éteint. 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 Complètement éteint. Cible.
atteinte et détruite. Voilà, cible atteinte et détruite. Ça vous dit quelque chose, cette voix? Envoyez vite vos messages, il est très content. Il est très 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 content. Il a passé une belle soirée hier. Allez, on en a parlé ce matin en plus dans les infos avec Rémi tout à l'heure. Vous avez reconnu l'invité mystère, vous nous envoyez vos messages. Et pourquoi on parle de l'invité mystère ce matin? Parce qu'il est trop fort. Oui, déjà. Il est trop trop fort. Il a encore marqué hier. Non, pour faire un petit point sur la Champions League. Mmh. Allez, Champions League à suivre sur Skyrock, 7h26. The Morning Show. C'est la radio des numéros 1. Salut, c'est Angèle. C'est Salut, c'est Val dans le morning de Diffoul. C'est Ligno. C'est PLK. C'est Stromae sur Skyrock. C'est Kobalade. Sorel San. C'est Ayana Kamoura. Les numéros 1 se réveillent avec Diffoul sur Skyrock. 6h-9h. Bienvenue dans le morning de Diffoul. Premier sur ton réveil. Et notre invité mystère, il est premier sur le foot, on va le découvrir là tout de suite. Et oui, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. L'invité mystère qu'on découvre, The Weeknd à écouter, Nino aussi on l'a promis, hein, avant 8h du matin. Et puis, Jordan au téléphone avec nous. Toi aussi t'es le numéro 1, t'as été le plus rapide à nous laisser la bonne réponse, Jordan de Lyon. Salut. Du 69. T'es où exactement, Jordan? J'habite à Tarare dans le Rhône. Ah, je connais Tarare. À côté de Lyon. Eh bien, bienvenue à toi, t'as 21 ans et t'es le plus rapide. C'est pour ça que je disais que t'étais le numéro 1 ce matin. Bien joué. Il les a éteints hier. Voilà, je les ai éteints. Éteints. Cible atteinte et détruite. C'était lors du match d'hier soir qu'on a suivi dans la radio libre sur Skyrock. Avec que d'émotions avec Chelsea qui domine pendant toute la partie. Ah, c'était mal parti, ouais. Pendant les deux premières mi-temps. Et heureusement, il arrive. Et c'est qui est arrivé? Karim Benzema. Mais oui. Le meilleur joueur. Karim Benzema, encore meilleur joueur du monde. Même Ronaldo l'a dit que c'était le meilleur joueur du monde. Oui. Il a dit qu'il méritait le ballon d'or beaucoup plus que Messi qui était nul. Non, c'est pas son propos. 38 buts de marqués cette saison. Combien pour Messi, Guigui? Tu parles de quoi? En Ligue 1 seulement? Oui. Je crois qu'on est à 3 ou 4 buts peut-être là. Pas mal. 3 ou 4, ouais. Ouais, 4 peut-être, je crois. Karim, c'est combien? Ouais, on est pas loin des 4, ouais. 4-5, je crois. Non, je crois que c'est 4. Bon, ben lui c'est 38, tu vois. Donc c'est pas la folie, quoi. 38 buts pour Karim Benzema, il a qualifié son équipe, le Real de Madrid, en demi-finale de la Champions League face à Chelsea. Et bravo Jordan, félicitations. Bien joué. Bah, merci beaucoup l'équipe. Bravo à toi. Et on est à 3 buts, hein, pour Messi. À 3 buts. Vous êtes un peu optimiste dans l'équipe. Et puis une autre surprise, l'élimination du Bayern de Munich hier. Et ouais, grosse surprise, le Bayern, une des meilleures équipes du monde. L'entraîneur du Bayern, il avait dit, nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller, mais ils en ont fait une, nous laisser en vie. Nous devons les punir pour ça. Ah bah c'est loupé. C'est fini, oui. Müller aussi, joueur du Bayern. Quand on perd un match aller, il ne faut pas plaisanter avec nous. Bah oui, vous n'avez pas gagné le match retour, il y a eu un partout. Mais Müller, il ouvre un peu trop sa gueule. Ouais, il aime bien nous traquer parce que nous aussi, quand on avait joué contre le Bayern, dès qu'il y avait eu le tirage au sort, donc c'était même avant le premier match. Ouais. Il avait mis une story sur Insta et tout, il avait fait le PSG. On revoit. Il est drôle, on l'avait sorti. Et Neuer, il avait dit, contrairement à eux, nous avons du caractère dans cette équipe et beaucoup d'orgueil. Ils n'ont aucune chance. Faut jamais trop parler avant. Ouais, ça porte malheur. Ça porte la poisse. Et on va féliciter l'ancien Toulousain qui a joué cette fois avec le maillot de l'équipe de France, qui s'appelle Étienne Capou. Étienne Capou a parlé en interview. Il est revenu sur les propos des Allemands dont je vous parlais. Ah, il est trop content, lui. Après le match. Bon, Étienne, comment on se sent déjà après ce match? C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on a fait là. Là, c'est incroyable. Et oui, il a sorti le Bayern. Il a sorti l'Europe, je pense. Voilà, il a sorti le Bayern demi-finale pour Villarreal. Donc la Juve au tableau de chasse, le Bayern. C'est quoi la prochaine étape? C'est Liverpool ou Benfica? Donc on est des chasseurs. Personne vous fait peur. On est des chasseurs. Oui. Et il est content, Étienne Capou. Pour tout ce qu'ils ont dit dans la presse aussi, ça nous a motivés. Parce que je pense qu'ils ont manqué un peu d'humilité. C'est dommage parce que c'est vraiment un club, un super club. Et je trouve qu'ils ont été un peu arrogants envers nous. Un peu, oui. Et ça nous a donné cette extra motivation. Voilà, contrairement à eux, nous avons du caractère dans cette équipe et beaucoup d'orgueil. Bon, c'était ce que disait Neuer du Bayern. C'est ça. Ouais, ouais. Et bien voilà, tu vas pouvoir vivre ton orgueil en regardant le prochain match, hein, la demi-finale, avec Villarreal et avec le Bayern. Et les autres matchs, Rémi nous en parle dans les infos dans un instant. Jordan, tu gagnes le pack digital. Et en plus, on te met dans le tirage au sort pour le séjour Bellambra à 2000 euros. À gagner tout à l'heure. Pas de soucis, merci l'équipe. Et ben des bisous à toi. Salut Jordan. Bisous à vous l'équipe. Et dans un instant, salut Jordan. On reparlera de vos loisirs préférés. Tiens, c'est quoi ton loisir préféré, Jordan? Dis-nous, comme ça tu vas participer au référendum de ce matin.
Moi, écoute, c'est écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo et être avec ma copine. Voilà. Oh, ça me semble pas mal, ouais, ça c'est bien. C'est bien, c'est pas mal. On va voir si tu fais partie des loisirs préférés des auditeurs et des auditrices de Sky. Vous votez avec le hashtag Morning de Difool, l'appli Skyrock. On en parle après les infos de Rémi. Rémi, les infos. Et la météo pour aujourd'hui, on est mercredi, on est le 13 avril, il est 7h35 et quel temps va-t-il faire aujourd'hui ? Ah bah c'est relativement mitigé aujourd'hui, on a une perturbation pluvieuse qui se promène des Pyrénées à la Nouvelle-Aquitaine, au centre-Val de Loire et en remontant vers la région parisienne et le Hauts-de-France. Quelques averses ce matin, de la Bretagne à la Normandie, au Pays de la Loire, avant un timide retour des éclaircies du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. Le temps s'annonce très printanier et agréable. Ce sera sec mais parfois nuageux de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la Corse. Les températures ce matin, 8 à Lyon, 10 à Lille et à Marseille, 13 à Paris, entre 14 et 24 cet après-midi, 14 à Boulogne-sur-Mer, 24 à Strasbourg et à Colmar. La pollution, c'est correct, les indices entre 2 et 4. 1500 euros à gagner dans un instant si vous répondez Skyrock. Et tout de suite, les infos sur Sky. Tony Parker, Boris Diaw, Pierre Gasly, Blaise Matuidi ou encore Dimitri Payet, Tony Yoka et Jo-Wilfried Tsonga, ils sont une cinquantaine de sportives et de sportifs là à appeler à faire barrage à l'extrême droite dans une tribune publiée dans Le Parisien aujourd'hui en France. Ils estiment que ce vote mettrait en danger les valeurs républicaines et serait le pire des remèdes. Selon eux, Emmanuel Macron est le seul choix possible au deuxième tour. Ils n'imaginent pas les JO 2024 à Paris qui soient marqués du sceau d'une présidence d'extrême droite. Des faits d'une extrême gravité mais qui demeurent confus. 5 agents de la police municipale de Nice, placé en garde à vue et suspendu par la ville. Ils sont sous le coup d'une enquête pour violence aggravée et séquestration. Un jeune homme qui aurait tagué un véhicule de police aurait été emmené par ces mêmes agents dans l'un des parcs de la ville pour y subir des violences. La garde à vue est toujours en cours. Si les faits sont avérés, ces agents seront immédiatement révoqués. Un contexte économique incertain. Just Eat envisage de se séparer de 269 salariés en CDI. Le groupe néerlandais emploie entre 800 et 900 personnes dans le pays. L'entreprise dessert actuellement 2500 communes dans 27 d'entre elles. Le modèle repose sur du salariat. L'activité sera maintenue à Paris et en banlieue Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Lille et Roubaix. La sanction est tombée. Boris Johnson et son ministre des Finances vont recevoir des amendes en raison des fêtes organisées en plein Covid. Le Premier ministre britannique a de nouveau présenté ses excuses tout en refusant de démissionner. C'est pourtant la demande de l'opposition travailliste qui estime qu'il n'est plus à même de poursuivre son mandat. Ce scandale connu sous le nom de Partygate a ébranlé le gouvernement ces derniers mois. Les Britanniques étaient à l'époque priés de réduire drastiquement leurs interactions sociales. Et on parle de sport maintenant, et oui, du sport, la Champions League. La Champions League, en effet, et cette défaite du Real, 3-2 contre Chelsea, mais un but dans les tout derniers instants de la rencontre de Karim Benzema qui suffit aux Madrilènes pour se qualifier pour les demi-finales de la C1. Benzema, 12 buts inscrits cette saison donc en Ligue des Champions, c'est un record pour un Français, et clairement, il se dirige vers un ballon d'or, en tout cas on l'espère, c'est ce que Ronaldo a dit là et a confié il y a quelques heures. Il l'a dit, hein, c'est un des meilleurs attaquants du monde, c'est actuellement le meilleur et ça fait longtemps qu'il mériterait d'avoir ce ballon d'or. Villarreal est qualifié également après ce match nul, un but partout contre le Bayern. Les Munichois avaient perdu 1-0 pour rappel au match aller. Ce soir, Liverpool-Benfica, avantage Liverpool, et Atlético Madrid-Manchester City avec un petit avantage pour les Citizens. Ce sera à 21h et on suivra ça dans la radio libre. Mais oui Rémi, alors Rémi, on va parler d'une super voiture. Je vais vous poser une question d'ailleurs ce matin. Si vous étiez très 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 riche, vous mettriez quelle option dans votre voiture? Même des options complètement impossibles. Je vous parlerai du super hammer. Rémi mettrait l'option chiotte. Ah non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai Rémi, tu pourrais installer des toilettes. Non, parce que je n'aime pas faire caca en conduisant. Mais... non. Non, bah je mettrais quoi voilà, une meuf qui masse? Pas du tout quoi. Ouais, un robot qui masse, ouais. Qui masse entre jambes. Bah il y a des sièges massants. Ouais, j'en ai moi, mais c'est pas terrible. Ah ouais, ouais. Rémi il est équipé quand même. Ouais, je suis équipé, ouais. Le roi de la mécanique. On va parler du Cheikh qui détient le record du monde de la plus grande collection de voitures 4x4. Et il a fait construire le plus grand Hummer du... Hummer. De la planète. Je vous en reparlerai dans un instant, je vous décrirai un peu le bordel. Il a mis des options qui déchirent à l'intérieur, c'est pour ça que je vous posais la question. Vous pouvez nous dire, hein, 06 86 101 101, vous avez l'appli Skyrock, le 41 759, pour nous laisser tous les messages que vous voulez, pour nous parler de tout ce que vous voulez. Tous les matins, on fait le morning ensemble sur Skyrock. Et on va parler des loisirs des Français. Le temps libre des Français, c'est 6h15 par jour, consacré à leurs loisirs. Voilà, quand on enlève tous les trucs chiants, il nous reste 6h15 par jour. C'est pas mal. Quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. 60% du temps de loisirs des Français consacré
liés aux écrans, télé, ordinateur, téléphone portable. Et 17% seulement à des activités à l'extérieur. On vous a demandé ce matin quels étaient vos loisirs préférés. Guigui, un point sur le référendum tout de suite. Alors pour l'instant, dans le top 3, bah, c'est beaucoup d'écrans. Hein. Numéro 3, c'est regarder des films. Très bien. Films et séries. Ok. Et films, tout type de films, bien sûr. Ouais. En numéro 2, c'est les jeux vidéo qui arrivent deuxième. Oui. Et à la première place, c'est lire des livres. Non, c'est pas vrai. Beaucoup de messages sur la littérature française. Très bien, c'est dans la culture. Je crois pas. Non, pas du tout. C'est traîné sur les réseaux, du coup. Y a pas eu trop de livres ce matin encore, là. Si on a Sam, nous, dans l'équipe, qui lit des livres. Ouais. Non, mais il y en a pas mal qui lisent des mangas, j'ai vu les messages quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est pas dans les trois premiers, hein. Non, bon, peut-être après. Des loisirs un peu spéciaux, vous nous envoyez ça. Ah, si, j'ai vu le message de Sam, là, qui m'a fait rigoler. Ah, c'est là, Sam. Salut l'équipe, moi, mon loisir préféré, c'est leur passage. T'es la seule, hein, pour l'instant. T'es pas classé dans les trois premiers. Ah, bah tiens, j'ai des chemises si tu veux. Sam. J'adore ça, surtout quand je suis énervé. Ça te calme de repasser, Sam. Bon, bah c'est bien au moins. Elle a trouvé son truc. La famille, elle est contente. Ouais, c'est cool ça, ouais. Tu repasses pour tout le monde. Bon, merci Sam pour ton message. Vous nous envoyez vos messages là aussi. Avec tous les réseaux Skyrock, comme tous les matins, vous avez la parole. Grand référendum sur les loisirs. On en parle ce matin, il est 7h40 et on vous offre de l'argent. On va retrouver un double appel inédit aussi dans un instant. Les doubles appels arrivent. Mais d'abord, les 1500 euros pour vous sur Skyrock. 1500 euros cash. À gagner maintenant sur Skyrock. Et c'est déjà tombé ce matin, oui. C'est tombé bientôt, à 6h30 tout à l'heure, chez Marine de Clermont. Elle a répondu Skyrock, elle a gagné 1500 balles. Et là, vous allez peut-être gagner 1500 euros. Si vous habitez dans le 33, alors dans le 33, on va où? Bah, à côté de Bordeaux, on va à Mérignac, chez Michel Bourget. Je sais pas si on dit le X, mais Michel Bourget. 1500 euros à gagner. Pour gagner, c'est simple. On vous appelle, on vous parle radio au téléphone. Vous répondez Skyrock et vous gagnez 1500 euros. Et il faut répondre avant la cinquième sonnerie. C'est parti chez Michel. Allô, Michel. Michel. Oh, Michel. Ouh. C'est la radio au téléphone, Michel. Allô. Oui, bonjour, Michel. Comment... Mais vous devez vous tromper. Et... Oh, bonjour, c'est la femme de Michel. De Michel qui? Bourgex. Mais qui c'est celui-là? Ah, vous n'êtes pas madame Bourgex, vous? Oui, mais mon mari, il est décédé il y a 19 ans. Qu'est-ce que vous voulez lui parler? Ah bah oui, non, je ne veux pas parler à votre mari, je veux parler à vous, madame Bourgex. Dites-moi, quelle est votre radio préférée, madame Bourgex? Aucune. Ah, vous n'en avez aucune? Non, non, aucune. Elle n'écoute pas la radio. Bon, désolé, madame Bourgex ne gagnera pas les 1500 euros. On va garder le chèque pour tout à l'heure. 1500 euros à gagner. Le prochain rendez-vous, c'est juste après 8h du matin. Vous répondez Skyrock et c'est pour vous. Et un gros bisou à Marine de Clermont, qui est en train de bosser là actuellement. Elle doit bosser avec un sourire jusqu'aux oreilles, c'est clair. Marine. Bonne chance à vous, hein, tout à l'heure. Juste après 8h et les doubles appels tout de suite. Ils sont là pour te réveiller en direct sur Skyrock jusqu'à 9h. 6h, 9h. The Morning Show. Le week-end sur Skyrock avec Sacrifice et le plus grand hummer du monde. Il fait, il fait 14 mètres de long. C'est un camion. De vous le décrire. 14 mètres de long. Il y a une piscine, je suis sûr. C'est de maison. Non, il n'y a pas de piscine. Ah, moi, je mettrais une piscine direct. Une piscine dans ton hummer. Grave. Vous pouvez tout mettre dedans, hein, je vous ai demandé là, sur l'appli Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm. Qu'est-ce que vous mettriez dans votre hummer? Il fait 6,6 mètres de haut. Ah, en fait, ouais. Il y a deux étages. Wow. T'as deux étages dans le Hummer. C'est un chèque qui détient le record du monde, la plus grande collection de voitures 4x4. Il en a partout. Et il s'est dit, qu'est-ce qui me manque? Eh ben, je vais faire construire ma voiture, je vais me le customiser. Une petite salle de bain avec un lavabo et des toilettes au premier étage. Ouais, c'est bon, bien ça. Classique. Ouais. Bon, cherchez le prix, il y a le prix nulle part. Si vous savez combien ça coûte ce truc, hein, si vous avez le bon prix, le juste prix comme on disait à l'époque, vous nous envoyez ça. Donc le mec se fait plaisir. Je sais pas combien ça va consommer, hein. Alors on parle beaucoup d'écologie tout ça. Je sais pas combien va consommer le truc. Je sais juste qu'un Hummer normal consomme deux fois plus qu'une Clio. Pour 100 km/h. À moins que ce soit un Hummer électrique, parce qu'il y a le premier Hummer électrique qui est sorti il n'y a pas longtemps. 2,5 millions. Celui, il s'en branle, il est chèque. Donc lui, tu sais, il est dans le pétrole. Donc, il va dans le jardin. C'est pas son problème. Ouais, il fait un trou, il fait le plein. Donc une voiture de rêve. Vous mettriez quoi dans votre voiture? Je sais pas moi, un lit. C'est bien un lit. Ouais, un lit, c'est bien. Mais bah ouais, quand tu fais un petit voyage avec des poteaux, tu fais conduire un pote. Bon, quand t'es riche comme ça, tu t'achètes même un chauffeur. C'est mieux, ouais. Tu fais une petite sieste. Après, si on part vraiment sur les
des trucs de ouf. Oui. Moi, je lui mettrais des ailes pour voler. Des ailes, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu disais tout à l'heure, on peut mettre ce qu'on veut, mais c'est un avion possible. Ah, mais va pas voler, t'es con ou quoi? Non, mais rêvons un peu. Il a on a dit qu'on rêvait, Karim. Ouais. Ne t'excite pas. Non, mais tu mets des ailes, mais il va pas voler quand même. Tu t'en rends bien compte. Bah, tu sais qu'avec des ailes, on peut voler. Ouais. Les oiseaux ont des ailes. Regarde les oiseaux. Ouais, bien sûr. Il y a Unesis qui nous dit, moi, dans mon camion, il fait 14 mètres de long. Bah, tu vois, t'es un peu comme le chèque. Ouais, pas mal aussi. Le chèque milliardaire, là. Je mettrais un ciné dedans. Une salle de ciné. Non, mais c'est vrai, tu mets. Non, mais ouais, un pet d'écran. Tu mets un super écran. Ouais, tu peux faire une voiture aussi qui va dans l'eau. Voiture, bateau, avion. T'imagines, il fait 3 en 1. Ouais. Ouais, en fait, c'est des jetons dans les qui super. Non, mais ça serait super. Ouais, tu pourrais même. Mettre une fusée. Yacht après. Tu mets une fusée comme ça, tu vas dans l'espace. Il fait yacht. Ils font n'importe quoi, ces gens-là, nous dit Marouane du 13. Ils font n'importe quoi avec leur argent. C'est comme quand ils ont racheté le PSG. Bah, c'est marrant, un message qui vient des Bouches du Rhône et direct, ça parle du PSG. Direct, ça nous attaque comme ça. On a rien demandé ce matin. On t'embrasse. Et Milo nous dit, il coûte 2,5 millions de dollars le machin. Ouais, alors c'est le prix que j'ai vu du plus cher, mais Hummer électrique. Je pense que lui, il est plutôt au-dessus. Tu multiplies ça par. À mon avis, on multiplie un peu. Par 10 ou 25, quoi. Peut-être, bon, ouais. Voilà, pour les fans de voitures, on avait cette petite info à vous donner ce matin. Il est 7h48, on va préparer l'horoscope de l'amour, mais avant ça, les familles sont prêtes, c'est l'heure du double appel. La France est sur écoute. Ouais, t'entends là, les chevaux? Oh, mais on est où là? Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Vous entendez des chevaux? Si, des chevaux. C'est le double appel de Difool sur Skyrock. Eh oui, il y a même des chevaux dans le double appel. Tout le monde peut s'exprimer et c'est ça qui est bien. Allez, le double appel avec plein de numéros de téléphone, puisque c'est même un multi-appel qu'on va retrouver. Je vois déjà Thierry, Christian, Marlise qu'on a mis en contact les uns avec les autres. Comment vont réagir les familles avec ces petits coups de fil dans leur téléphone? Bien, sans doute. Je pense, bien sûr. C'est sûr. Ça sonne, c'est parti. Ah. Allô? Bonjour, chien. Oui, allô? Oui. Très excité, le chien. Non. C'est qui? C'est vous qui m'appelez? Non. Ah, si. Bah non, ça fait 3 fois que vous appelez. Bah moi aussi, ça fait 3 fois que mon téléphone il sonne et que j'ai de la musique. Bah non, moi ça fait 3 fois que j'ai le coup de téléphone. Bah pareil, avec marqué indisponible, j'ai même pas de numéro, donc Et moi c'est écrit privé. Ah. Bah ouais, bah qu'est-ce que c'est que ça encore? Allô, Toupie? Oui. Allô? Oh, Toupie. Allô? Oui. Ouais, où? Toupie. Qu'est-ce que c'est que ce truc à la con? C'est qui l'appareil? Gouré, monsieur. Toupie, c'est le poids, monsieur. Comment? Je dis, vous devez vous gourer. Ah, gourer, pardon. Ah, c'est pas moi qui ai appelé, c'est vous. Non, mon téléphone a sonné et je vous ai, vous. Ah non, mon téléphone n'a pas. Moi, j'ai pas fait de numéro de téléphone, c'était pour ça que je réponds au téléphone. Oui. Et il fait marqué secret, et donc c'est bien vous qui avez appelé. Ou qu'est-ce que vous voulez? J'ai une bonne bique, hein. Oh. Ouais. Bah, t'as qu'à te la mettre dans le cul, espèce de con. Oui, c'est quoi? C'est qui est là? Bah. C'est marqué sur mon téléphone, c'est marqué indisponible, alors je sais pas. Bah ouais, bah moi aussi. Monsieur indisponible. Ah bah merde alors. Il y a quelque chose qui va pas. Bah indisponible, de toute façon, c'est bon. Moi j'ai essayé de rappeler, mais non, ça va pas, je sais pas. Non, bon. Non, bah, bon, moi, bah c'est pas grave, écoutez. J'ai rien qui est marqué, ça fait des étoiles. Hein, ça fait des étoiles. Moi j'ai juste marqué indisponible. Bon bah écoutez. Allô? Je suis désolé. Mais... Il y a un monsieur qui arrive. Je crois qu'il va falloir répondre. Allô, allô. Oui, il y a allô, quelqu'un qui me dit allô, là. Ben oui, j'entends aussi, moi, je sais pas ce que c'est, moi. Ouais. Ouais. C'est quoi, monsieur? Patrick. Patrick quoi? T'es pas un travesti. Connard. Vous êtes un connard. Voilà. Ta gueule. Bon, ça suffit maintenant, hein. T'es avec ton copain, là? Non. C'est qui, d'abord? T'es avec ton copain, là? Non. Dis-moi qui c'est avant. Patrick. Ouais, c'est ça. Patrick, je connais pas de Patrick, moi. Moi, je suis Patrick, hein. Ouais, c'est ça. T'es un connard. Alors, ferme ta gueule et raccroche. Ah non, bah, oui, comment vas-tu? Ouais, ça va. Pas connard, c'est vraiment Patrick. Patrick le pervers et nos familles. Et pour le double appel. Et Toupie le chien, mais oui. Tiens, j'aurais des conseils à vous donner pour les animaux. Ah. Les erreurs que font les animaux. Les erreurs que font les Français avec leur animal de compagnie. Ah. On en parlera tout à l'heure. Et en parlant d'animaux, on aura tout à l'heure le clash de la drague à retrouver avec Cédric et Romano. Et oui, de l'amour juste après 8h30, il est 7h52. Tous les matins, 6h, 9h, c'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock.
le morning de Difool, premier sur ton réveil. Ici seulement sur Skyrock. Yes, sur Skyrock, c'était Nino, il est 7h55, c'est l'heure de l'horoscope, l'horoscope de l'amour. Tu veux savoir comment va se passer ta journée? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et ouais, notre horoscope tous les matins, on le découvre juste avant 8h. Et l'horoscope de l'amour démarre avec les meilleurs du jour, les taureaux et les vierges. Vous avez passé une super journée. Vous avez 5 sur 5 en puissance amoureuse, on peut pas plus haut. Hein. Journée idéale pour vos amours, pour votre morale. Une journée avec une libido en hausse. Bref, vous allez en profiter et faire rêver celle que vous aimez, celui que vous aimez, ceux que vous aimez si vous êtes d'ailleurs. Peut-être plusieurs. Oui, c'est ça. Ouais, si vous êtes polygame. Grande journée d'amour, quoi. Oui. Les cancers et les poissons, c'est bien aussi. Vous avez une belle journée en prévision avec pour les célibataires quelqu'un qui pourrait s'intéresser à vous et même vous dévoiler ses sentiments. Et pour les couples, bah là, il y a rien à dire. Tout va très très bien. Les capricornes et les sagittaires, on est à 3 sur 5. On saura quoi dire, on saura quoi faire pour assurer et faire plaisir à ceux qu'on aime. Les béliers, les scorpions, ben on a 2 pour vous. 1-2, mais avec de bonnes nouvelles. Vous aurez envie, vous aurez besoin d'être un peu solo pour réfléchir. Faites-le avant de saturer et surtout prévenez ceux qui vous aiment, qui seront très compréhensifs et compréhensifs avec vous. Ouais. Les gémeaux et les balances, vous avez 1 sur 5, il y a un petit malentendu amoureux ou amical qui pourra prendre des proportions inhabituelles. Ne laissez pas pourrir la situation, une bonne explication fera l'affaire et après vous passerez une belle journée. Et pour finir, bon, le zéro du jour, c'est pour les lions et les verseaux. Heureusement, on a des conseils pour vous. Il faut faire attention à votre côté pessimiste qui pourrait faire fuir les gens qui vous aiment. Souriez à la vie et la vie vous sourira. Voilà, c'est bien. Et dans un instant, encore 1500 € à gagner, préparez-vous. Et puis du gros son à écouter pour nous réveiller. On aura du Soul King, on aura Cobaladé et Naps. Et puis notre référendum sur les loisirs. Mais pas que, il y a également le clash de la drague qui est prévu. Et un super réveil de star. Nabila est de retour ce matin dans le morning. Tous les matins, c'est le morning de Difool sur Skyrock. J'écoute le morning de Difool dans toute la France. C'est là qu'ils foncent. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Ils sont prêts à tout. Pour te réveiller 6h-9h tous les matins. Premier sur ton réveil. Il est 8h04 sur Skyrock, bon réveil à vous. Demain, il y a Franglish qui va se réveiller avec nous. Après-demain, il y a 15 000 € à gagner. Pour gagner vos 15 000 €, bah oui, vous pouvez encore envoyer jusqu'à vendredi. N'oubliez pas, envoyez jusqu'à vendredi le mot de passe, le nombre de passes, même 15 au 7 20 20. Vous envoyez 15 et vous gagnez 15 000 € vendredi. Et oui, ça va être chaud, hein. Une fin de semaine de folie sur Skyrock et un morning de fou, puisque avant 9h du matin, Romano et Cédric débarquent pour le clash de la drague. Je sais que vous l'attendez. Les deux beaux gosses. Notre clash de la drague de la semaine dans le morning. Ouais. Les gosses et leur méthode de drague à découvrir tout à l'heure et à écouter en direct. Vous pourrez voter d'ailleurs pour votre préféré. Et puis plein de choses à faire ce matin avec le réveil de Stark dont je vous parlais. Il y a Nabila qui arrive pour réveiller les Français avec beaucoup, beaucoup d'amour. Comme on l'aime, notre référendum aussi sur vos loisirs préférés. C'est quoi que vous préférez faire quand vous avez du temps à vous? C'est ça, ouais, tout à fait. Vous nous laissez vos messages, ça vote beaucoup. Hashtag morning de Difool sur Twitter et sinon l'appli Skyrock pour nous envoyer vos messages. Profitez-en et on va profiter du gros son de Soul King. De Cobaladé dans un instant avec Naps et des infos de Rémi tout de suite et des conseils pour vos animaux. Les vétérinaires vous mettent en alerte et on va donc en parler ce matin. Les erreurs que font les Français avec leur animal de compagnie. Il y a les erreurs qu'il ne faut pas faire, les erreurs les plus répandues. On va tout vous dire. Tu es contente, Cariole? Ouais, non, mais j'ai une copine véto et elle me prend la tête à chaque fois pour plein de trucs, mais je vous raconterai. Bon, bah, tu nous diras si les erreurs dont on va parler dans un instant sont des erreurs dont t'as parlé ta copine véto. J'en suis sûre. C'est celle qui se fait lacérer les bras, tout ça? Tout à fait. Super. Forcément. Allez, 8h05, les infos, Rémi, on fait le point sur l'actu. Et l'actu, ça démarre par la météo pour aujourd'hui. Oui. Un temps relativement mitigé, une perturbation pluvieuse qui se promène des Pyrénées à la Nouvelle-Aquitaine, au centre Val de Loire et en remontant vers la région parisienne et les Hauts-de-France. Quelques averses ce matin de la Bretagne à la Normandie, au Pays de la Loire, avant un timide retour des éclaircies du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. Le temps s'annonce encore très printanier et agréable. Ce sera sec, mais parfois nuageux de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la Corse. Les températures ce matin, on a 10 à Lyon, 12 à Lille et à Marseille, 14 à Paris, entre 14 et 24 cet après-midi, 24 la maximale à Gap, Strasbourg et Colmar. La pollution, c'est plutôt correct. Les indices entre 2 et 4. Et le point sur l'actu tout de suite sur Skyrock. La campagne présidentielle, Emmanuel Macron était dans l'Est hier au programme Bain de Foule le matin à Mulhouse. Rencontre avec des soignants, puis direction Châtenois sur le thème de la sécurité. Le président a été confronté au bilan de son quinquennat, mais il a aussi tiré la sonnette d'alarme. Sur le programme de Marine Le Pen, il considère que ce deuxième tour sera un référendum sur l'Europe. La candidate d'extrême droite veut changer les règles, mais elle les changera toute seule, selon le chef de l'État qui affirme qu'elle veut quitter l'UE, mais sans le dire. L'Europe, justement, eh bien c'est un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse un petit peu, même si c'est vrai que c'est très très compliqué.
compliqué. Quelle est la position réelle de Marine Le Pen sur ça? Alors, depuis 2017, elle a renoncé, vous le savez, à sortir de l'euro. Elle avance désormais masquée avec un positionnement plus subtil, mais tout aussi radical. Si elle est élue, elle commencera par retirer le drapeau européen, elle l'a dit, du fronton de tous les bâtiments officiels du pays. Bon, le symbole est très clair. Pour s'attaquer à la submersion migratoire qu'elle estime organisée par l'Europe, elle veut traiter par référendum pour modifier la Constitution. Alors ça ne passera pas au Sénat, mais c'est un autre débat. En vérité, elle souhaite une Europe à la carte, en prenant ce qu'elle juge bon pour la France et en rejetant le reste. Dans son viseur, les traités de libre-échange, la défense et la politique sociale. Ce sont vraiment les trois axes de son programme. Le problème, c'est que cette méthode n'est pas faisable en Europe. Soit on prend tout, soit on rejette tout. C'est un packaging, l'Europe, c'est comme ça. Quand elle promet de réduire le budget de la France vers l'Europe, ça n'est pas jouable, puisque le budget est déjà acté, il faut le savoir, jusqu'en 2027. C'est bouclé, c'est plié. En vérité, même des populistes comme Viktor Orban en Hongrie ne peuvent rien y faire. Si la France insiste, l'Europe coupera les vives, notamment de la PAC, la politique agricole commune. Nous sommes un grand pays agricole, nous en avons besoin. On ne peut pas s'en passer. Marine Le Pen ne disposera donc d'aucun levier en Europe. Une enquête pénale ouverte par le parquet de Paris après l'envoi de SMS par l'équipe d'Éric Zemmour à des Français de confession juive. La CNIL rappelle que le traitement des données à caractère personnel révèle des convictions religieuses est interdit. Ce fichier clandestin de dizaines de milliers de juifs constitue la plus massive exploitation de listes nominatives de juifs depuis la rafle du Veldiv. Dans ce SMS, Éric Zemmour pointait le problème de l'antisémitisme en France et dénonçait les racailles qui pourrissent la vie des juifs. Allez, une petite bonne nouvelle, une belle leçon de civisme. Un groupe de jeunes a aidé des policiers coincés dans une voiture retournée dans les rues de Marseille. Le geste, immortalisé dans une vidéo, a circulé sur les réseaux et a été salué par le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Les agents avaient été appelés en renfort sur une intervention et roulaient à vive allure dans les rues de Marseille. Leur véhicule a percuté un tramway et s'est renversé sur le côté. Ils sont ressortis secoués avec seulement quelques contusions. Ben voilà une belle histoire, merci Rémi. Et les infos avec du sport maintenant, du sport à la Champions League. Ouais, et cette victoire de Chelsea 3-2 contre le Real, mais ça n'a pas suffi. Le Real est qualifié pour les demi-finales de la Champions League. Alors déjà grâce à son match aller et aussi grâce à Benzema qui au match aller a fait des performances et même hier puisqu'il a inscrit un but de la tête dans les toutes dernières minutes du jeu. Villarreal aussi est qualifié. Un but partout contre le Bayern, mais avantage pour le Villarreal qui avait gagné 1-0 au match aller ce soir à 21h. Liverpool, Benfica, Atlético Madrid, Manchester City, on suivra ça dans la Radio Libre. Mais oui, on sera là ce soir avec vous entre 21h et minuit. Rémi, tu reviens tout à l'heure dans une demi-heure. Pour la suite de l'actu, il est 8h09. Rémi, viens voir, tu as des animaux à la maison. Ouais. Je parle pas de tes enfants, bien sûr. Il va être content. Parce que j'ai vu dans tes yeux un peu de malice quand tu as répondu. Non, ce sont tes yeux, ce sont pas les miens. Est-ce que tu penses faire des erreurs avec tes animaux à la maison? Bon, je crois pas, hein. Est-ce que tu les laves souvent? J'avoue, non. Ah, les animaux se lavent. Pas souvent. Exactement. Alors, les erreurs selon les vétérinaires. À propos de. Combien de fois tu le laves? Non, pas assez, j'avoue plus. Pauvre bête. Faut que je les emmène chez le toiletteur. Mais ils foutent le bordel chez le toiletteur aussi. Oui, mais bon. C'est pas grave, tu t'en fous, tu le laisses au toiletteur, ils se démerdent avec. Mais tu les emmènes chez un toiletteur pour poney, c'est pas possible. Non, moi, elle lave bien et tout, mais je sais pas, le chien il pue. Non, mais il pue si tu l'as pas lavé depuis 6 mois. Bon, il y a des gens qui ne lavent pas leurs animaux une fois par an. Donc ça c'est pas bien. Faut les laver tous les 2 mois les animaux. Ouais, c'est ça. Moi c'est plutôt tous les 5-6 mois. Entre un et 2 mois pour laver les animaux. Mais après, ça c'est pour les chiens ça, non? Parce que moi mon chat je le lave jamais. Hein. Ah bah non, le chat, ouais, ok. Parler des chiens de Rémi. Bon, les erreurs que font les Français avec leurs animaux selon les vétérinaires. En un, alors ça c'est autre chose, c'est au niveau du dressage et puis au niveau du comportement de tous les jours. Il faut éviter de leur crier dessus quand ils font une bêtise. C'est pas constructif et ça crée du stress. Ouais. Faut pas crier sur les animaux. C'est vrai. Un ton ferme, mais pas crier. C'est ça. En deux, ne pas jouer avec eux. Ils ont besoin de jouer avec vous pour leur bien-être. Autrement, les animaux s'ennuient. Attends, t'as dit ne pas jouer avec eux. Si, jouer avec eux. Jouer avec eux. Oui, mais l'erreur, c'est ne pas jouer avec eux. Ouais. Tu écoutes un petit peu l'émission. Oui. Ouais. En trois, laisser seuls trop longtemps. Faut pas les laisser seuls trop longtemps. Les animaux ont besoin de compagnie. C'est vrai. Il faut pas les réveiller non plus. Même quand ils font un cauchemar ou qu'ils rêvent. Ouais, j'ai vu ça. Quand il dort, votre chien, votre chat, votre hamster, ne le réveillez pas. Laissez-le tranquille. Il faut le laisser dormir tranquille. Après, il faut faire attention à leur nourriture parce qu'il y a beaucoup de Français qui nourrissent leurs animaux n'importe comment. Il faut une nourriture bien équilibrée et une nourriture de qualité. Ouais. Bon, c'est cher, mais c'est comme ça.
Après, il faut. Tiens, c'est pour les chats là, Guigui. Ah, si vous avez plusieurs chats à la maison, il faut plusieurs litières. À chacun, c'est ça, j'avais vu ça. J'avais vu. Mais bon, moi, comme j'en ai qu'un, donc ça va. Donc, heureusement que les humains sont pas comme ça. Vous imaginez, vous êtes quatre à la maison, il faudra un chiotte par humain, là. Donc, pour les chats, c'est une litière par animal. En 7, ah bah ça, on le fait pas à Médéline. Lui brosser les dents. Il faut brosser les dents de ses animaux. Ouais, c'est vrai, c'est pour éviter le tartre et le détartrage. Ouais, mais elle, elle va bouffer la brosse à dents. Non, mais par contre, il y a des petits os à ronger qui remplacent la brosse à dents, et c'est pas mal. Ouais. Mais elle a son truc, son jouet, je crois, ça lui fait. Ah oui, nous on a un jouet, un espèce d'os en plastique. Ouais. Ouais, donc en fait, à force de le mâchouiller, ça lui fait du bien aux dents. Maintenant, ouais, ça n'empêche pas d'enlever le tartre. Si, il paraît que ça enlève le tartre. Mais c'est mieux que rien, ouais. Mais moi, avec mon chat, c'est impossible de lui brosser les dents. Hein. Non, mais les chats, tu fais rien sur un chat, c'est pratique pour ça. Je laisse. Si, en fait, si, faut brosser les dents. Mais si, faut lui brosser les dents, je crois. Si, il y a des brosses à dents pour chats. Ah ouais. Ouais, faut brosser les dents des chats. Ouais. Mais moi, je peux pas, sinon va me griffer, va me mordre et tout, ça va être une galère. Tu veux essayer avec Médéline? Non, parce que ça mâchoire mes frais aussi, donc laisse tomber. Je sais pas, je pense que la brosse à dents, elle te la bouffe, Médéline. Tu veux qu'on elle va rien comprendre. Il faudrait essayer surtout, mais elle, tu peux lui prendre une brosse à cheveux, hein, t'as vu la taille qu'elle fait. Oui, c'est vrai que les dents qu'elle a, une brosse à cheveux, ça va. Voilà, mâchoire, balèze. Et puis, il faut leur couper les griffes aussi aux animaux. Oui, mais alors, quand, pour les chiens, ils se les usent tout seuls en marchant dans la rue. Hum. Par contre, de temps en temps, il faut leur couper l'ergot, le petit pouce, ouais. Parce que celui-là, il se use pas. Très bien, voilà, c'est les conseils, les erreurs que font. Je pensais qu'il y avait d'autres choses, moi. Tu vois, c'était par exemple ma copine, elle me disait de pas mettre les chiens dans le lit. Oui. Et tous les chiens que j'ai, que je garde ou que j'ai eu, franchement, ils vont tous dans mon lit, quoi. Encore heureux. Non, mais faut leur laver les pattes, sinon c'est dégueulasse. Ouais, non, ça c'est bien, mais bien sûr que je leur lave les pattes, mais c'est sur le principe, il paraît qu'il faut jamais mettre un chien dans son lit. Et pourquoi? Parce que c'est ton espace à toi. Parce que c'est ton espace à toi, et après ça devient l'espace du chien. Après, il te domine. Donc son chat, lui, il a pas le droit d'aller dans sa chambre, par exemple. Ah ouais. C'est bizarre, hein. Bon, d'autres conseils à donner, si vous en avez, vous nous envoyez vos messages. Moi, ils ont le droit de tout faire, les animaux, chez moi. L'appli Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm. Oui. Allez-y, on vous attend si vous avez d'autres conseils à donner. Et puis sur 06 86 101, 101 on parlera des loisirs préférés des Français. Et pour avoir de bons loisirs, il faut avoir un peu d'argent. Et bien, de l'argent, on vous en offre tous les matins. Dans deux jours, je vous disais, 15 000 euros à gagner. Et toutes les demi-heures, 1500 balles, c'est pour vous maintenant. Réponse Skyrock. Et à toi les 1500 euros. Yeah. C'est tombé tout à l'heure à Clermont et ça a peut-être tombé chez vous si vous êtes du côté de la Côte d'Azur, dans le 06, et plus précisément à Nice, chez la famille Melman. C'est là qu'on va passer un petit coup de fil. Lionel Melman, on l'a tiré au sort, on l'appelle, on va lui demander quelle est sa radio préférée. Si réponse Skyrock, évidemment, il gagne. On embrasse Marine de Clermont d'ailleurs, qui a gagné tout à l'heure 1500 balles. Elle a gagné juste après 6h30. Premier coup de fil de ce matin, c'est tombé. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va Lionel ce matin? Ça va. Ça va. On est en direct à la radio, on te passe un coup de fil pour t'offrir 1500 euros. C'est un jeu qu'on fait tous les matins. Plein de sous. Il y a plein de sous à gagner. Je vais te demander, Lionel, quelle est ta radio préférée? Si t'as la bonne, tu gagnes 1500 euros. C'est bien. Parle bien en ton téléphone, Lionel, on t'entend loin. Ouais, parce que je suis dans la rue. Je suis en train de bosser là. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Non, mais il est dans la rue, il est en train de bosser. Il est sourd, Sam. Ah oui, mais c'est ce que j'ai dit. Alors. Voilà, il y a des gens qui bossent, par contre, on ne comprend plus. Voilà, c'est compliqué là. Lionel, quelle est ta radio préférée? Dis-nous vite. On comprend pas, quelle est ta radio préférée? Je crois qu'il a appelé son téléphone à l'envers. Mets le téléphone à l'endroit. Mets l'oreille dans la bouche et la bouche dans l'oreille. Je crois qu'il a répondu. Mais il a répondu, alors répète. Je donne du énergie. C'est pas la bonne, non. Il y a encore des gens qui écoutent énergie à 10. A priori. C'est pour ça que tu captes mal tout. On se mettra à jour. En tout cas, c'est sympa d'avoir Jean Lassalle au téléphone. C'était Skyrock au téléphone, Lionel. Il s'en branle. Très bien. Et oui, Skyrock, la radio musicale la plus écoutée à Nice. Mais oui. Et oui. Et sur la Côte d'Azur. Bon ben Lionel, il n'est pas au courant encore. Dommage pour lui. Vous qui êtes à Nice, eh bien vous restez bien sur Skyrock. On aura peut-être 1500 euros à vous offrir le prochain coup. 1500 euros à gagner. Ben, le prochain coup, c'est peut-être pour vous d'ailleurs. Oui. Pas seulement à Nice, hein, dans toute la France, on peut appeler. Juste après les infos de 8h30. Il y a Nabila là dans un instant. Ah oui, la loupez pas, Nabila a besoin d'amour ce matin. Doudou sur Skyrock, Koba la Naps. Dans un instant, il y a Soul King qu'on va écouter. Puis le réveil de Star avec Nabila. Et oui, Nabila qui va bientôt faire son bébé, ça y est. Et elle a besoin d'amour. Elle appelle les Français pour déclarer sa flamme ce matin. Oui. On va la retrouver pour le réveil de ça Star. Ça fait combien là? Deux gosses. C'est le deuxième, ouais. C'est le deuxième enfant qui arrive. Le premier, c'est Milan. Très bien. Et là, elle va l'appeler comment? Turin. Ah, je sais. On sait pas si c'est une fille ou un garçon. On sait pas encore. Ah. Elle l'a pas dit. Elle a pas fait sa baby shower encore. Elle a pas fait la baby shower.
Nabila arrive, elle fait son réveil de star dans un instant. On vous a demandé qu'est-ce que vous feriez si vous étiez milliardaire, comme le chèque dont on parlait tout à l'heure, qui se construit un Hummer de 14 mètres de long. Moi, je ferais un Hummer de 60 mètres de long pour être le plus grand. Voilà, le truc, il y a deux étages, il a une salle de bain à l'intérieur, enfin, c'est un truc de ouf. Et on vous a demandé si vous aviez plein d'argent, vous feriez quoi, comme, vous mettriez quoi comme option dans votre voiture. Une très bonne idée, l'idée de Damien. Écoutez bien, les gars, et les filles aussi d'ailleurs. Salut l'équipe, c'est Damien de Arles. Salut Damien. Moi, si j'avais un truc à faire installer dans ma voiture, ça serait une vitre insonorisée entre le siège passager et le siège conducteur. Comme ça, quand madame elle me casse un peu les oreilles, hop, je monte la vitre et je vais dans le silence. Allez, bonne journée à tous. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, tu cries, ma chérie. Hop là, il y a la vitre insonorisée. C'est pas mal comme idée, Damien. Pas mal du tout. Ouais. Je te mets dans le tirage au sort pour le voyage, le séjour Bel Embras à gagner tout à l'heure. Une autre idée, c'est celle de Marie. Salut à tous. Moi, si j'avais vraiment plein d'argent à mettre dans une caisse, je ferais comme sur MTV à l'époque, je mettrais un jacuzzi, je mettrais des sièges de massage à l'arrière, et puis si j'ai encore un peu de fric, je mettrais même une plancha à l'arrière, enfin, la totale. Voilà, tu as plein de bonnes idées, toi. Ah, c'est vrai qu'il faisait des voitures de ouf. C'est Pimp My Ride. Il mettait n'importe quoi dans les trucs. C'est bien, ça. Dans les voitures. Pimp My Ride. Vous avez le droit de mettre n'importe quoi, vous aussi, allez-y. Sébastien nous a laissé un autre message, tiens. Salut Diffoul, salut l'équipe, Sébastien du 30. Alors moi, en option dans ma voiture, ça serait une tireuse à bière. Pression dans la boîte à gants. Ouais, c'est ça, ça, franchement, magnifique en option. Oui. Passez une bonne journée, merci d'être. C'est une très bonne idée quand tu te fais arrêter par les keufs. En plus, ouais, c'est très bien ça. C'est parfait, t'as la tireuse à bière. Non, mais tu peux leur payer un coup, tu peux faire sauter des. Tu partages. Avec ça. Ah, vous voulez mettre un PV, allez, je veux une bière. Et là, les keufs. Oh, ça passe. Voilà. On va retrouver des keufs, tiens, justement, dans un instant avec l'invité mystère à découvrir. Mais avant ça, bah oui, c'est Nabila, là, tout de suite. Il parle avec une star. Allô ? Mais ils le savent pas. C'est qui ? Tu t'appelles comment, toi ? Nabila. C'est le réveil de star. Ouais. Bon, fais gaffe parce que là, c'est un match pitch. Seulement sur Skyrock. Nabila qui a réveillé Thomas et la famille de Thomas ce matin. Elle a besoin d'amour. C'est parti, le réveil de star. On a mis la voix de Nabila dans le téléphone. Et on a appelé chez Thomas et la famille, là. Allez. Allô, oui. Allô. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est qui? Je m'appelle Nabila Benatia. C'est qui, l'appareil? La grosse moula. Vous êtes bien, vous êtes pas la bonne adresse, hein? Allô, Thomas. À vous de parler. Oui. Oui. Allô. Oui. Allô les gars. Bonjour. Mon amour de ma vie. Oui, ma chérie. Comment ça va? Bah, et qu'est-ce que tu fous? Je t'aime et toi, tu m'aimes? Bah, moi, pas voir, je sais pas qui c'est. Je m'appelle Nabila Benatia. Nabila. Qui est Nabila? J'ai toujours fait de la télé-réalité. Ouais, je sais pas qui c'est, Nabila. Le show, moi, j'adore faire le show. Oui, et tu vas continuer à faire si longtemps, non? Qu'est-ce qui se passe? On s'enlève les habits, là? Écoute, tu me fais chier. Ouh là 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 là. Oui, alors tu arrêtes de m'appeler parce que ça va mal finir. Je suis carrément sous le charme, quoi. Parce que j'ai ton numéro qui s'affiche, c'est marqué inconnu, mais j'ai le numéro qui s'affiche quand même. Donc je sais qui c'est qui m'appelle. Alors maintenant, tu arrêtes de m'emmerder parce que sinon, ça va mal finir. Alors, oui et non. Ouais, écoute, ça va bien. Mais lui, je l'adore. Mais toi, je t'adore. Toi, je te kiffe, je t'adore. Et ça suffit, sinon ça va mal finir et ça va très mal finir. C'est pas le bon numéro, hein. On se calme. Bah, c'est qui? La grosse moula. Tu te fous pas de ma gueule, non? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. T'es pas un peu bourré, connasse? C'est chaud. Et si t'es bourré, tu vas te faire soigner, connasse. Connasse, d'accord. Bon, c'était Nabila, hein. C'était pas connasse au téléphone. Hein. Nabila, qui n'a pas trouvé d'amour chez Thomas. Malheureusement, non. Bon, dommage. Nabila, beau bébé. On tient au courant quand il arrive, d'ailleurs, le bébé. Hein. Et dans un instant, l'invité mystère à découvrir sur Skyrock, juste après Soul King. Skyrock, le monde de... Le morning de Skyrock. Premier sur ton réveil. C'était Soul King sur Skyrock à 8h26. Ah, on va parler des moments que vous avez mal vécu. Vous savez, les moments où on passe pour un con ou pour une conne. On reviendra d'ailleurs au message que vous nous avez envoyé. Vous pouvez nous envoyer encore, hein, si vous venez juste de vous réveiller. 06 86 101 101. On écoutera les WhatsApp audio que vous nous envoyez. La pire fois où vous êtes passé pour un con ou pour une conne. Et bien, elle est passée pour une conne à la télé. C'est une keuf qu'on va retrouver dans un instant. Elle a quelques problèmes avec les langues étrangères. C'est ça, elle s'appelle Patricia. Elle s'appelle Patricia. C'est Patricia. C'est Patricia la keuf. On va la retrouver. Elle a un problème avec un camion. Elle arrête un camion. Bon, le mec est italien. Il parle pas français. Elle parle pas le reste. Bon, on va s'en occuper, on va faire écouter ça dans un instant si vous l'avez loupé. Et puis, on a un invité mystère à découvrir. Un invité mystère français qui parle anglais. Le voici, le voilà à 8h26 sur Skyrock. Devine qui c'est. C'est l'invité mystère sur Skyrock. Alors, j'explique la scène, ça se passe en Israël. Il y a les services de sécurité israéliens qui le font chier. Ouais. C'est ça. Parce que lui, il veut aller voir les gens et ça l'énerve. Parce que les services de sécurité empêchent les gens de venir vers lui. Exactement. Et il s'énerve.
Guys. Keep cool. Guys, hey. Please, keep cool. Hey, keep cool. Oh, listen to me, keep cool. Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Je n'aime pas ce que vous faites en face de moi. Je n'aime pas ce que vous faites en face de moi. Il n'est pas content. Nobody has to provoke nobody. Bel accent anglais en tout cas. Nobody, quand il parle à Biden, il parle avec un accent comme ça. Là, par contre, c'est nobody has to provoke nobody. Nobody. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me. I can tell you. Ok. Hein, il a fait ça Chirac. Chirac avait fait la même chose. Exactement. Mais là, c'est vrai que quand il parle avec le président américain, il a un putain d'accent anglais. Ouais. Et là. Là, c'est please respect the rules. Là, c'est bien Frenchy. Voilà, please respect the rules. Ok. Nobody has to provoke nobody. Bon, vous avez reconnu notre invité mystère. Vous nous envoyez vos messages avec l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm. Vous gagnez votre pack digital. Vous gagnez aussi peut-être tout à l'heure le séjour à 2000 euros pour partir en vacances. Ce séjour Bellambra, il sera peut-être pour vous. Ouais. Vos réponses très vite et dans un instant on écoute la keuf qui parle français et c'est tout. Qui essaye. Il est 8h28. The morning show. C'est la radio des numéros 1. Salut, c'est Angèle. C'est Tutu. Salut, c'est Vaille dans le morning de Diffoul. C'est Nino. C'est PLK. C'est Stromae sur Skyrock. C'est Kobalade. Sorel San. C'est Aya Nakamura. Les numéro 1 se réveillent avec Diffoul sur Skyrock. 6h-9h. Bienvenue dans le morning de Diffoul. Premier sur ton réveil. Eh ouais, bienvenue dans le morning. Ils arrivent dans un instant, les deux clasheurs du jour. Et Patricia arrive aussi, Patricia Lakeuf, qui s'est affichée. Bon, ça arrive à tout le monde hein, de se taper une honte. On en reparle ce matin d'ailleurs, un moment où vous êtes passé pour un con, pour une conne. Et on en reparle avec notre invité mystère à découvrir là tout de suite sur Skyrock. L'invité mystère à découvrir, lui, il parle anglais, mais alors il parle anglais à la française. Hein. C'est ça, bien Frenchy. Ouais. Guys, keep cool. Keep cool. Hey guys, keep cool. Keep cool. Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. I don't like what you did in front of me. Un bel accent. Pas l'anglais comme moi, il y a le même accent que moi, dis donc. Nobody has to provoke nobody. Hello Seb, how are you today? Salut la famille. Salut Seb. Salut Seb. Je t'ai demandé, how are you, please answer me in English. Oh, je suis pas très fort en langue. Je crois que tu m'as dit où j'habite, c'est ça? Non. Bon, on va passer au français, tu as raison. Tu habites où, Seb? J'habite à Charenton, dans le 9-4. Dans le 9-4. In English, please. 94. T'es les relous. Do you speak English? Not. I speak very well English. Alors, qui est notre invité mystère? Tu l'as reconnu, c'est qui? Bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et bonjour à tous, exactement. Fais Emmanuel Macron et fais gagner. C'est lui. Bravo, bien joué. Tu gagnes Bravo. Ton pack digital. Oui. Il est pour toi. You win. Merci la famille. You win et tu partiras peut-être en vacances, holiday. Les vacances. Ah, j'aimerais bien. Tout à l'heure à 9h15. Je vais en bras avec la maman. Ah, bah voilà. Ah, tu partiras avec la maman. Tu pouvais partir à. Ah, moi, je pars avec la maman, ouais. Ah, bah c'est bien, Seb. Le voyage bel en bras a gagné 9h15 tout à l'heure pour le tirage au sort, Seb. D'accord, la famille. Merci pour tout. Merci à toi, Seb. Et raccroche pas et tu vas voir, t'es pas le seul à parler difficilement les langues étrangères. Là, on a Patricia Inkeuf, elle est passée à la télé. C'est pour ça que je vous disais, est-ce qu'on est déjà passé pour un con, pour une conne. Elle a pas de chance, il y a des caméras ce jour-là et elle arrête un poids lourd italien. C'est ça. Ouais. Et ouais. Et elle parle pas italien. Elle parle pas le reste non plus, vous allez voir. Bougez avec la saucisse, là. Avancez. Le camion avec la saucisse, là. C'est le camion, il y a une grosse saucisse dessus. Bonjour, qu'est-ce que vous faites, là, sur la voie rapide? Hein? Quoi? Non, pas italiano, non. Non, pas italiano. Pas italiano. Non. On a remarqué, elle parle pas italiano. Speed. C'est un fou. Le camion, c'est... C'est un fou. Première voie. Pas seconde voie, interdit. Non mais il comprend. Attends, rien à l'italien, tu lui dis première voie, pas seconde voie. Les papiers truck. Permission des conducir, la totale. La totale. Permission des conducir. Des conducir, si. La totale. C'est de l'espagnol. En fait, elle parle plein de langues, mais elle les mélange, elle mélange tout en fait. Patricia doit maintenant faire le contrôle de produits stupéfiants. Oh là. Là, lèche les dents. Lèche les dents. Non, les dents. Lèche les dents. Voilà. C'est que même en français, on ne comprend pas ce qu'il faut faire. Lèche les dents. Pourquoi, les dents. Pourquoi lécher les dents? Mais les dents de qui? Lèche les dents. Okay. J'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Ouais. Non, mais c'est même en français, on ne comprend pas, Patricia. Constat pour l'accident. Constat. You follow. Okay. Et moi, follow you.
et moi follow you. Voilà, you follow, follow you, follow me. Et moi follow you. Bon, il y a des moments de solitude comme ça, c'est pas facile. Hein. Donc tu vois, Seb, au final, hein, on parle pas anglais, mais elle non plus. Hein. Ouais, mais oui. La vidéo, on vous la met, elle est sur l'Insta du Morning. On va la mettre sur l'Insta du Morning. Vous pourrez voir Patricia en pleine forme, un cours de langues étrangères ce matin sur Skyrock. Des bisous, Seb, belle journée à toi. Merci. Salut. Bonne journée. Seb. Et à tout à l'heure, 9h15 pour le tirage au sort. Et attention, dans un instant, point sur notre grand référendum, vos loisirs préférés. On en reparle après les infos de Rémi, parce qu'il est déjà 8h38. L'actu, le sport, mais d'abord la météo. Rémi, météo pour aujourd'hui. Mitigé, une perturbation pluvieuse se promène des Pyrénées à la Nouvelle-Aquitaine, au centre Val-de-Loire et en remontant vers la région parisienne et les Hauts-de-France. Quelques averses ce matin de la Bretagne à la Normandie, au Pays de la Loire, avant un timide retour des éclaircies du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. Le temps s'annonce encore très printanier et agréable. Ce sera sec, mais parfois nuageux, de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la Corse. Les températures ce matin, on a 10 à Lyon, 12 à Marseille et à Lille, 14 à Paris. Cet après-midi, il fera 15 sur la pointe du Cotentin, 18 en région parisienne et sur le bassin aquitain, 19 près des frontières du Nord en Normandie et en PACA, 20 sur les Ardennes, 21 sur le Massif central, 22 au pied des Alpes, jusqu'à 24 en Alsace. La pollution, c'est correct, les indices entre 2 et 4. Et le point sur l'actu tout de suite. La guerre en Ukraine, alors que Vladimir Poutine a qualifié le massacre de Boutcha de fake, Joe Biden, lui, l'accuse pour la première fois de commettre un génocide. L'armée russe continue de mettre la pression et de bombarder l'Est où se massent ses troupes au 49e jour. Des combats, 22 000 personnes pourraient être décédées à Mariupol selon les autorités locales. Tony Parker, Boris Dio, Pierre Gasly, Blaise Matuidi, Dimitri Payet, Tony Yoka, Jo-Wilfried Tsonga, ils sont une cinquantaine de sportives et de sportifs à appeler à faire barrage à l'extrême droite. C'est ce qu'ils disent dans une tribune publiée dans le Parisien aujourd'hui en France. Ils estiment que ce vote mettrait en danger les valeurs républicaines et ce serait le pire des remèdes. Selon eux, Emmanuel Macron est le seul choix possible au deuxième tour. Ils n'imaginent pas que les JO 2024 à Paris soient marqués du sceau d'une présidence de l'extrême droite. Des faits d'une extrême gravité mais qui demeurent confus. 5 agents de la police municipale de Nice placés en garde à vue et suspendus par la ville. Ils sont sous le coup d'une enquête pour violence aggravée. Séquestration, un jeune homme qui aurait tagué un véhicule de police aurait été emmené par ses agents dans l'un des parcs de la ville pour y subir des violences. La garde à vue des agents est toujours en cours. Si les faits sont avérés, ils seront immédiatement révoqués. Un contexte économique incertain, Just Eat envisage de se séparer de 269 salariés en CDI. Le groupe néerlandais emploie entre 800 et 900 personnes dans le pays. L'entreprise dessert actuellement 2500 communes. Dans 27 d'entre elles, le modèle repose sur le salariat. L'activité sera maintenue à Paris et en banlieue, Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Lille et Roubaix. Et du sport. Avec la Ligue des Champions ce soir et ça continue, quart de finale retour, Liverpool-Benfica, Atlético Madrid-Manchester City. Liverpool a un bel avantage, 3-1 au match aller, alors que les Citizens n'ont gagné que 1-0 la semaine dernière. Ce sera à 21h et à suivre dans la Radio Libre. Hier, le Real de Karim Benzema s'est qualifié pour les demi, malgré cette défaite 3-2 face à Chelsea. Karim Benzema qui a inscrit un but à la toute dernière minute du jeu. Et Villarreal aussi est qualifié, un but partout contre le Bayern, mais avantage pour les Espagnols qui avaient gagné 1-0 la semaine passée. Merci Rémi, tu reviens tout à l'heure pour la compile de l'actu. Et oui, à fond dans l'actu, on va parler des livreurs aujourd'hui. Ah, des livreurs qui ont fait des conneries. Tiens, si vous êtes livreur et que vous avez déjà fait une connerie, vous nous racontez, tiens. Vous pouvez tout nous dire. On en reparlera tout à l'heure, on écoutera vos WhatsApp. WhatsApp audio 06 86 101 101. Les livreurs ont fait une connerie sur la ligne de l'actu, on s'en occupe juste après 9h du matin. Ils arrivent, nos deux dragueurs, nos deux clasheurs, Romano et Cédric, pour le clash de la drague, de bonnes idées pour draguer. Et puis on fait un point sur les loisirs des Français. On a découvert que le temps de loisirs des Français était de 6h15 par jour. Ouais, c'est et qu'est-ce ça, qu'ils font les Français pendant 6h15? Eh ben, ils passent la majeure partie de leur temps sur les écrans, que ce soit télé, ordi, téléphone portable. On est sur les écrans. Et on vous a demandé ce matin quels étaient vos loisirs préférés. Guigui. Ouais, on a le top 3 pour l'instant. Un petit point sur notre référendum. C'est le grand référendum du morning. Alors, ça donne quoi? En numéro 3, c'est bien, on est des beaux gosses, on est des sportifs. C'est faire du sport qui arrive 3ème pour l'instant. Ah ouais. Les auditeurs de Skyrock, vous êtes beaucoup plus sportifs que les Français. Hein. Pour moi, c'est une contrainte. Ouais, on a vu le classement des Français. Ah ouais, toi, c'est pas du plaisir. C'est pas du plaisir. C'est pas du loisir. D'ailleurs, j'en fais ça, pas. Ouais, c'est un peu une corvée pour toi, Carriole. Ouais. Bon, en numéro 2, c'est suivre l'actualité. Ouais. En même temps, avec ce qui se passe en ce moment et tout, ouais, forcément, c'est un peu le thème, quoi. C'est deuxième du classement. C'est ça, deuxième, ouais. Suivre l'actu. Bon, tu vas me dire, il se passe plein de choses dans l'actu. Ouais, ouais. C'est Rémi qui est content. Exactement. Et en numéro 1, c'est traîner sur les réseaux. Donc, on traîne plus sur les réseaux qu'on suit l'actu, quand même. C'est important. Bon, ça, c'est comme les Français. Hein. Le loisir préféré des Français, c'est traîner sur les réseaux sociaux en 1 et en 2, regarder des films et des séries. Bon, vous avez un truc à nous dire là-dessus. Vous pouvez voter avec le hashtag Morning de Difool. Allez-y. Et puis, nous, on vous offre 1 500 € tout de suite à 8h42. Tu veux gagner de l'oseille dès le réveil? C'est les 1 500 € sur Skyrock. Juste avant d'écouter Angèle et Damso, et puis on aura aussi Junior Choi
Écoutez, avant 9h du matin, on vous appelle pour vos 1500 euros. C'est tombé tout à l'heure, on était à Clermont chez Marine. Marine a gagné 1500 balles à Clermont-Ferrand. C'est peut-être votre tour. Si vous êtes à Trappes, dans le 7-8, on file à Trappes. Et on a tiré qui donc à Trappes ? Anna, c'est qui c'est ? C'est Anna Ribeiro. À Trappes, dans le 7-8, 1500 euros à gagner pour Anna. Allô ? Allô ? Bonjour Anna. Oui ? Oui. Comment ça va ? Ça va. Ça va, tu m'as reconnu ou pas ? Non. Bon, je vais te donner un petit indice. On est en direct à la radio, Anna. Ah bon ? On t'a tiré au sort et on a 1500 euros à t'offrir. Ah, super. C'est un jeu qu'on fait tous les matins, toutes les demi-heures. Ok. Je vais te poser une question. Si t'as la bonne réponse, tu gagnes 1500 balles, Anna. Il faut me dire quelle est ta radio préférée ? Ma radio préférée ? Oui. C'est ça. Énergie. Et non, Anna. C'est la race. C'était Skyrock, Anna. Ah, désolé. Bah, alors, Anna. Ah, je suis déçu, Anna. J'aurais bien aimé t'offrir 1500 euros pour te faire plaisir ce matin. Bah, c'est la radio préférée de mon fils. Mais... Ah, Skyrock, c'est la radio préférée de ton fils. Il faut s'y mettre. Hein. Il va y avoir un conflit familial, ah, Anna, oui, aujourd'hui. Il va être énervé, là. Et ouais. Bah, viens nous écouter. Bah, demande à ton fils, c'est 96 FM, Skyrock. Hein. D'accord, bah, je lui dirai, parce que moi, j'ai pas très le temps d'écouter la radio. Bah, c'est normal, tu écoutes Énergie, après, tu n'as plus envie d'écouter la radio. Ça te dégoûte. Non, c'est parce que je travaille, j'ai je pas trop le temps. Je suis taca avec nos collègues, on les embrasse, bien sûr. Parce qu'on est sport et sympa. Et un gros bisou à toi, Anna, et un gros bisou à ton fils. On va lui envoyer un t-shirt Skyrock, tiens, à la maison, un t-shirt du morning. Ok, ça marche. Allez, des bisous, Anna. Au revoir. Salut à toi. Salut. Et les 1500 euros pour vous. Le prochain coup, Skyrock, c'est dans la poche. 6h-9h sur Skyrock. Le morning de D-Fool. Salut, c'est Angèle. Tous les matins, je me réveille avec le morning de D-Fool. Premier sur ton réveil. Et bon, c'est Skyrock, Angèle et Damso à 8h47. Et à 8h47, c'est l'heure, eh bien oui, l'heure de parler d'amour. Et de draguer ce matin, c'est l'heure du clash de la drague. Bonjour Romano. Bonjour. Salut. Bonjour Cédric. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour les lovers, bonjour les clashers. Salut les beaux gosses. Bonjour les beaux gosses. Merci, quel accueil. Bienvenue sur Skyrock, on a besoin d'amour ce matin. Ah, je vais t'en donner du full de l'amour. Ah non, c'est pas pour moi, c'est pour les familles, Cédric. Ah d'accord, ok. Ah, c'est les familles qu'on va draguer, merci. C'est très gentil, Cédric. Garde-en. Je suis comme ça, moi. Garde-en pour les familles, t'inquiète. Le clash de la drague à retrouver avec vos méthodes de drague. C'est ouais, parti, ouais. Écoutez bien le clash, parce que c'est vous qui allez voter hein, pour Romano ou pour Cédric. Il y a déjà vos fans qui sont là. Tiens, il y a Marwan qui nous dit bonjour Romano. Bonjour Salut, Marwan. Et surtout à Romano pour Jules. Les fans de Cédric sont là Jules. Également. Y a bonjour Emily, la team Romano. Émilie qui fait une bise à Cédric, mon chéri. Merci Émilie. Bisous ma belle. Et vos fan clubs sont là déjà, hein, c'est ouf. Ouais, j'entends. Votre team est là ce matin. Ça fait plaisir. Bon, et il y a Tounsi qui vote déjà. Bah, attends avant de voter pour Romano, il vote pour Merci, Romano. Merci Tounsi. Tounsi du 7-7. Bon, hein. Attendez un peu, écoutez d'abord les méthodes et puis les démos. C'est parti, c'est le clash. Oui. Romano, petit, à crâne d'œuf, Cédric. Quatre mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Allons-y pour le clash de la drague de ce matin avec vos méthodes pour draguer. Romano, oui. Quelle est ta méthode aujourd'hui ? Eh bien, j'organise une chasse aux œufs de Pâques. Et je vais donner un conseil à la famille. Les deux plus beaux œufs sont dans mon slip. Donc, je vais proposer quand même à la famille de venir les chercher car ils sont vraiment magnifiques. Ouais. Tout petits œufs. À lécher, à croquer. Cédric, a priori, est déjà fan. Il en veut le salopard. Ah non, ça va aller. Il les connaît très bien, a priori, Cédric. Je les laisse pas les familles. Bah non, mais on est au courant quand même. Tout petits œufs. Karen nous en a parlé. C'est lundi, ouais. Lundi de Pâques d'ailleurs. C'est ça, c'est lundi. Ouais, c'est ça. Ouais. Lundi, c'est férié. Donc, les œufs pour Romano et Cédric. Ta méthode de drague? Ben moi j'ai reçu un colis hier, malheureusement c'était pas pour moi, c'était pour la famille et je l'ai ouvert. Dedans il y avait un sextoy et ben je le ramène à la famille. D'accord, la méthode du colis contre la méthode des œufs de Pâques. Ouais. Allez, on a testé les numéros, on va les appeler. Bonne chance à tous les deux. On commence par qui? On commence par Cédric déjà. Ouais, et là on appelle chez Jean-Yves. Allez, c'est parti chez Jean-Yves pour Cédric. Le clash de la drague, bonne chance à nos deux clasheurs. Bonne chance Romano, bonne chance Cédric chez Jean-Yves. Allô? Oui, bonjour Jean-Yves. C'est pas Jean-Yves, mais c'est Michel. Ah, Michel. Ah, comment ça va, ma petite Michel? Bah, attends, c'est Pascal. Bah oui, ça va, ça fait plaisir de t'entendre. Ah, bah oui, bah. Bah, dis donc, oui. Bah, dis-moi, tout va bien? Non, ça va pas. Ah, merde. Bah oui, j'ai un zona. Ah, t'as un zona. Un zona, ok. Bah, moi, j'ai un zone B. Comment? J'ai un zone B, moi. Un quoi? Un zone B? Ouais. Ah oui, d'accord, oui. Bah non, mais attends, rigole pas, hein. Ça fait vachement mal. Hein. Ah ouais, putain. Oh, ah, c'est ma pauvre. Une horreur. Non, c'est une horreur. Bon, dis-moi, je t'appelais ce matin parce que j'ai reçu un colis, là, par erreur. Oui.
Et en fait, c'était c'était pour Jean-Yves. Donc je voulais le ramener ce matin. Quoi? Bah, j'ai reçu un gros sextoy, ça m'a surpris d'ailleurs. Oh. Et le facteur, il s'est trompé, mais c'était adressé pour Jean-Yves. Je me suis dit, ah, le coquin, il y va pas de main morte, hein. Truc qui fait 35-40 centimètres. Oh, ah, le coquin. Donc, dis-moi, je voulais te ramener ça ce matin, puis du coup, moi, je suis tout excité. Quand j'ai vu ce truc-là, je t'ai imaginé avec ça, puis bah, j'ai envie de te faire un petit câlin ce matin. Ben, dis donc, mais où tu vas, là? Ah bah, je viens chez toi. Oh là. Je me suis réveillé, je pensais qu'à toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah là, je suis tout excité, là. Je peux te dire que là, j'ai envie de me lâcher, hein. Ah bon? Ah, j'ai envie de te faire l'amour, ma belle. Bon, bah... Je te fais une déclaration, là, ce matin. D'accord. Ok? Bon, bah, j'arrive, là, dans 10 minutes, je suis là, mon cœur. À tout de suite, prépare-toi, fais-toi toute belle. Bisous. Allez. A tout de suite. Toute mal à l'aise. Tu l'as dit toute mal à l'aise, la pauvre. Ah ouais, moi j'ai trouvé tout émoustillé. Tu vois, voilà. Peut-être émoustillé. Peut-être un peu ému. Quand elle t'es surprise, quoi. Quand elle va voir son pote Pascal, elle va se dire, c'est comme dingue ça, dis donc. Bon, Cédric, c'est fait pour ton premier coup de fil. Romano, à toi, tu arrives avec tes œufs de Pâques, là. Hein, que tu as cachés. Cachés dans mon slip. Ils sont bien cachés dans le slip. Ils sont bien au chaud. Faut se dépêcher, sinon ils vont fondre. Bon, vite alors. On appelle chez Daniel. Allez, on va chez Daniel pour les œufs de Pâques. Après la méthode du colis, c'est la méthode œuf de Pâques, méthode à fond dans l'actu. Eh oui. Allez chez Daniel. Oui, allô. Ouais, allô, Daniel. Oui. Ouais, bonjour, tu vas bien? Oui, qui est à l'appareil? C'est Jean-Louis Gueg d'Ivoire, je t'appelais, là, on organise une chasse aux œufs de Pâques. Ah, mais non, mais vous devez faire erreur, là. Hein. Non, mais non, parce qu'en fait, c'est réservé aux adultes. Et je voulais donner un petit indice à ta femme parce qu'elle est bien charmante. Les deux plus gros œufs sont dans mon slip. Et si elle veut, elle peut venir les attraper ce matin directement, là. C'est ça, je l'accompagne. Alors moi, je prends la gauche. Ouais, je peux venir directement chez vous, là. Si tu veux, ouais. Alors comme ça, on sera deux à quatre mains, ça va être mieux. Ouais, c'est parfait, ça. Comme ça, vous vous amusez un peu avec mes œufs. Et puis après, on termine en faisant l'amour tous les trois, nickel. Oui, c'est ça, ouais. Alors, je te préviens, j'ai un coupe-coupe, moi, hein. Ah bah très bien, j'ai hâte de voir ça. Tu prépares tout ça. Tu vas partir avec une voix qui sera beaucoup plus fluette, hein. Ouais, un peu comme ça. Voilà. Bon, allez, ouais, c'est bah parfait. Hein. Bon, c'est bon. Bon, j'arrive alors. Voilà, c'est ça, allez, salut. Allez, on y va. Merci, à tout de suite, mon amour. Et ben voilà. Vous êtes bien, dites donc, ce matin. Bah ouais, bien joué, les gars. C'est pas mal. Non, mais pour un premier tour. Ouais, bien. Bravo. Les œufs de Merci, Pâques. merci. On a le temps de faire. Oui, on a le temps de faire. On va faire un deuxième tour, ouais. Allez, on fait un deuxième tour. Vas-y, on envoie. On a le numéro. Allez, on envoie pour Cédric. Là, pour Cédric, on appelle Michel. C'est Michel. C'est Michel au téléphone. C'est Michel. Bien vu, Cédric. C'est en effet Michel. Michel qu'on appelle au téléphone. C'est Michel au téléphone. C'est ça, c'est Michel. Michel au téléphone. Allô? Allô, oui, bonjour, c'est Michel? Ben non, c'est sa femme, il vient de partir. Il a attendu un moment devant le téléphone, et puis comme ça, il n'y avait rien, ben il est parti. Ah, Michel, il n'est pas là, donc. Il attend, donc, ben il non, pas il n'est pas là, là. Non. Il attend devant le téléphone, Michel. Il a attendu, c'est sympa. Mais vous, il êtes, qui bat... vous êtes qui, Jules? Ben moi aussi, c'est Michel Schneck, le voisin. Oh. Allô? D'accord, oui? Ouais, et je t'appelais parce qu'il y a eu un petit problème, là, j'ai le facteur hier qui m'a livré un colis, mais c'était pas pour le bon Michel, c'était pour le tien. Ah bon? Ouais, donc je voulais lui ramener ce matin. Bah, je peux te le ramener à toi. Hein. Par contre, j'ai ouvert le truc sans faire exprès. J'ai halluciné le truc. Il y avait un sextoy dedans. Donc, ça m'a un petit. Qu'est-ce que c'est, cette connerie-là? Non. C'est pas une connerie, je te jure. Mais moi, j'ai halluciné. J'ai ouvert le truc. J'ai dit, oh là, le coquin commande des trucs sympas, lui. Bon. En plus, le truc, le bordel, il est énorme. Quel Michel? Je ne vois pas le voisin à quelle adresse? Michel Schneck. Oui, mais à quelle adresse? Bah, je suis un peu plus haut dans la rue. C'est-à-dire quelle rue? Tu connais bien là où t'habites quand même, ma chérie. Oui. Donc vous ne connaissez pas. C'est encore un piège, ça. C'est pas un piège. C'est un gros sextoy. Dites-moi le nom de la rue. C'est la même rue que toi. Allez, hop, j'habite là depuis 5 ans. De toute manière, pour le moment, il n'est pas là. Et dans 5 minutes, il n'y aura plus personne. Donc, je suis là dans moins de 5 minutes. Je te ramène ton sextoy, coquine. Ouais. Bon, j'ai bien compris que c'est pour toi. C'est les pièges de choses à faire que de toutes ces bêtises au téléphone. Oh, la femme de Michel, là, faut pas s'énerver. Non, mais elle est partie, Cédric. Elle vient de partir, là. Elle est partie avant la crise de nerfs. Juste avant la crise de nerfs, elle est partie. C'était Miss Parano, c'était. C'est ça. La femme de Michel. Elle n'est pas très sextoy, elle. Non, pas très, ouais. Pas du tout sextoy, elle n'a pas aimé. Pas du tout.
sextoy, comme je vais dire. Bien vu. Très beau jeu de mots. Involontaire, mais magnifique. Bon, allez, on revient aux œufs de Pâques, là. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Romano, les œufs de Pâques. Nouvelle chasse aux œufs. Oui. Allez, on reste dans les Michel, on va chez un nouveau Michel. Ah bah dis donc. Ah bah c'est Michel au téléphone. Encore un Michel. Oui. Ah bah c'est Michel au téléphone. Ah ouais. Allô. Allô. Ouais, Michel. Oui. Ouais, bonjour, comment tu vas? Ah bah qui c'est? C'est Jean-Louis Guègue, là, l'appareil, l'organisateur de la chasse aux œufs de Pâques. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tu sais, il y a Pâques, là, qui arrive, et donc la coutume, c'est de chercher les œufs, tu sais. Oui. Ouais, et je voulais te proposer un truc. T'es tout seul ou t'es accompagné, toi, dans la vie? Ah ben, je suis marié, moi. C'est bien. Ah bah parfait. Parce qu'en fait, il y a des œufs de Pâques et je voulais donner un indice à ta femme. Les deux plus gros œufs, écoute bien l'indice. Hein. Les deux plus gros œufs se trouvent dans mon slip. Dans ton slip, c'est tout, oui. Ouais. Et donc je voulais lui amener ce matin, tu sais, pour qu'elle les ramasse tranquillement, quoi. C'est ce matin, mais pourquoi faire exactement alors? Pour qu'elle cueille les œufs que j'ai dans mon slip. Oh, tu rigoles, non? Non, mais sérieux, elle croque dedans, il y a du jus. Ah oui, t'as raison. Il y a une liqueur, elle est magnifique, hein, elle est délicieuse. Ouais, d'accord. J'ai un ami qui s'appelle Cédric qui a déjà goûté, il a adoré. Ah mais d'accord, je te crois. Pep. Ouais. Je crois. Tu vois, regarde, il est content comme tout. Oh, il jamais de la vie. Ils sont périmés, les œufs. Bon, bah dis donc, laisse-moi m'en vais, moi, j'ai pas le temps d'attendre là. Hein. Écoute, je passe vers midi. En plus, à l'arrière, j'ai la turbine à chocolat, je peux t'en sortir à tout neuf, quoi. Ouais, bon, bah, écoute, c'est bon, j'ai compris, hein. Bisous, hein. Ouais, bisous. Salut. Oh, il est sorti par la turbine. Ah, ouais. Écoute, Michel. J'ai sorti un maxi nappage. Ah ouais, alors c'est Charlie la chocolaterie. Ah, j'avais prévu, celui-là il est déjà fondu, quoi. Eh bien, vous pouvez voter maintenant. Ah oui, je sais que vous êtes retenu. Bah alors, vous lâchez tout. Allez-y. Votez pour Romano, pour Cédric. Qui était le meilleur pour vous? Allez, vous aimez le chocolat, votez Romano. Bah, votez Cédric avec son chocolat périmé Romano, là, il va vous intoxiquer, la famille. Voilà, ouais, pep. Ouais, bah, pep, votez Cédric, la famille. Même Cédric, il valide mes œufs de Pâques, il adore les jamais de la vie. Allez, vite, hein. Allez, votez Romano. Ça peut jouer à pas grand chose. À vous de voter pour le clash de ce matin et dans un instant, l'horoscope de l'amour qui arrive, il est 9h-2. Jeune of Choice sur Skyrock, c'était To The Moon à 9h pile. Et à 9h pile, tiens, on va faire un petit point sur les messages que vous nous avez envoyés, les moments où on est passé pour un con ou pour une conne. Vous nous avez envoyé au message, on se dit tout, c'est bien le morning. On se dit tout sur Skyrock, 06 86 101 101. On a le message de JC là, écoutez bien JC. Salut la team, c'est JC du 31, j'espère que vous allez bien. Moi, mon pire moment de solitude, c'était il y a quelques années, j'étais sur les Champs-Élysées à Paris. J'ai croisé Joe Star, je voulais faire une petite photo avec lui. Je lui ai mis la main sur l'épaule. C'est un truc que j'aurais jamais dû faire. Je me suis fait insulter devant tout le monde par Joe Star sur les champs. Bisous la team. Oh, c'est plutôt lui qui passe pour un con dans ce cas-là. C'est bon délire. Ça change pas d'habitude, tu sais. Toujours aussi sympathique. Ouais. C'est la sympathie même. Joe Star, il est sympa comme tout. Représente les mecs cool. Ouais, représente les mecs tranquilles, cool. Un autre message à Wishak. Écoutez ce qui lui est arrivé à Shaq, il est passé pour un con. Ouais, salut l'équipe, c'est Shaq, ça chauffe et salive du 4-7. Ah, salut Shaq. La première fois où je me suis fait passer pour un con, c'est quand j'ai mangé des crevettes. En fait, j'étais invité dans un mariage et personne ne voulait les toucher, donc je les ai mis entières dans ma bouche. Non. Et là, tout le monde s'est arrêté, tout le monde m'a regardé. Je savais pas qu'il fallait décortiquer. Oui, c'est meilleur. Je peux te dire que ça craquait sous les dents. C'est croustillant. Ouais, mais t'as qu'à leur dire, moi je dépense pas à la nourriture, moi je mange tout. Ouais, tu manges tout, ouais, tu gaspilles rien. Voilà, je mange la saloperie autour, là. Il y a Dorian aussi, il lui arrivait un truc un peu spécial. Salut l'équipe, c'est Dorian de Limoges. Oui, Dorian. Moi, je suis passé pour un con la semaine dernière, en fait, parce que j'avais mis la tondeuse en réparation. Et il y a un numéro qui m'a appelé, je pensais que c'était mon grand-père avec son nouveau numéro parce que ça ressemblait, enfin bref. J'ai fait la femme en décrochant et c'est avéré que c'était le réparateur de la tondeuse. Ah oui, donc j'ai dû jouer le jeu jusqu'au bout et me faire passer pour ma femme. Oui. Voilà, à plus plaisir. Merci à toi, Dorian, pour ton super message. Et Loïc. Salut Gifoul, salut la team. Loïc du 93. Oui. Alors une bonne honte que je me suis tapé, je pense que ça arrivait à pas mal de parents. Pendant un match de hockey, j'ai critiqué un gosse pendant tout le match. Et à la fin du match, je me suis rendu compte que ses parents étaient juste devant moi. J'adore. C'était chaud.
Allez, bonne journée à tous. Bon courage. Génial, ça, ouais. Ça m'est déjà arrivé aussi, ah, c'est vrai. On refera ce sujet. Ça, c'est bien. Des moments tu chies sur quelqu'un, mais en fait, ils sont juste à côté. Ouais. Ah, bah, c'est bien, sauf quand tu te rends compte qu'ils sont à côté. Oui, ça. Merci à Loïc et aux autres. On vous met tous dans le tirage au sort. Tirage au sort bientôt, hein. C'est dans un quart d'heure. On vous tire au sort, on vous envoie en vacances. Les vacances à 2000 euros. C'est Skyrock qui vous les offre. C'est pour vous et les personnes que vous voulez. Les vacances bel en bras à gagner. Préparez-vous. Et l'horoscope. Allez, l'horoscope de l'amour. Tu veux savoir comment va se passer ta journée? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Votre horoscope et les 12 signes. Allez, on va commencer par les lions et les verseaux. Vous avez 0 sur 5. Heureusement, il y a les conseils Skyrock pour vous. Faut faire attention à votre côté pessimiste aujourd'hui. Votre côté pessimiste qui pourrait faire fuir les gens que vous aimez. Souriez à la vie et la vie vous sourira. Eh oui. Ouais. Les gémeaux et les balances, vous avez 1 sur 5. Un petit malentendu amical ou amoureux pourrait prendre quelques proportions aujourd'hui. Ne laissez pas pourrir la situation, le conseil du jour. Expliquez-vous, une bonne explication fera l'affaire. Les béliers, ouais, et les scorpions, vous avez 2 sur 5. Vous aurez envie et besoin d'être un peu solo aujourd'hui pour réfléchir. Bon, pas de problème, faut juste expliquer à vos amis, à vos amours. Faites-le avant de saturer le petit moment solo. Les capricornes et les sagittaires, eh ben nous on est bien. Oui. On a 3 sur 5, on saura quoi dire, on saura quoi faire pour, ouais, rassurer ceux qu'on aime aujourd'hui. Les cancers et les poissons, vous avez 4. Bon, c'est super pour vous. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui pourrait vous dévoiler ses sentiments aujourd'hui. Si vous êtes en couple, eh bien tout va très très bien. Et on finit avec les meilleurs, les taureaux et les vierges. Vous avez 5 sur 5, c'est une journée idéale pour vos amours, pour votre morale et pour votre libido aussi. Vous en profiterez et vous en ferez profiter celle ou celui que vous aimez. Les 9h04, on revient tout de suite avec la compile du morning. Amis livreurs, amis livreuses, eh bien, elle est pour vous cette compile. C'est les livreurs qui ont fait une connerie qu'on met à la une de l'actu. The morning show. J'écoute le morning de Diffoul dans toute la France. C'est là qu'ils foncent. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Oui, oui. Ils sont prêts à tout. Oui. Pour te réveiller 6h, 9h tous les matins. Premier sur ton réveil. The morning show. Et ouais, le morning sur Skyrock, tous les matins, on est là dès 6h, on se réveille ensemble, profitez bien de cette belle journée. Bon, même s'il fait pas beau, il fait beau dans votre radio, sur Skyrock, on est bien. Et on va parler des livreurs, on salue tous les livreurs, les livreuses qui sont plein à nous écouter tous les matins. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez. Vous bossez, vous écoutez Skyrock, vous avez au moins cette chance, hein, vous pouvez écouter la radio en bossant, ce qui est pas le cas de tout le monde. Donc profitez bien, et puis on est avec vous ce matin. Et on vous met à l'honneur avec notre compile de l'actu tout de suite, la compile de livreurs qui ont fait des conneries. Ça vous est sans doute arrivé. Merci pour les messages que vous nous avez laissés. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de tous les écouter ce matin, mais si vous avez fait des conneries en tant que livreur, on refera un point là-dessus dans un des prochains mornings. C'est promis, on vous consacrera, allez, un grand moment dans le morning. Les livreurs, c'est pour vous, c'est notre compile tout de suite. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. Eh bien, on va voyager chez les livreurs du monde entier. Une compile internationale ce matin avec les États-Unis pour démarrer. Remy. Numéro 3. Ouais, un livreur Amazon aux States a été filmé en train de détruire tous les colis qu'il avait en sa possession. Voilà, je sais pas ce qu'il avait après eux. Une crise de nerfs. Voilà, juste après avoir déposé les cartons devant la maison de ses clients, parce que ça se passe comme ça, hein, là-bas, on jette les cartons. Eh bien, il prenait sa petite camionnette. C'est bien si t'as acheté un truc, je sais pas, des verres par exemple. Le mec, tiens, bim. Let's go. Donc il balançait les cartons de sa camionnette et puis il faisait machine arrière sur les colis, manque de chance. Un proprio avait une caméra de surveillance dans sa cour. Son employeur a préféré en rester là et on le comprend. Ouais. Là, moi, je vais vous amener en Turquie, là. Numéro 2. Alors, en Turquie, bon appétit si vous avez commandé des pizzas. Pensez à ça la prochaine fois que vous avez commandé une pizza. Bon, c'est un livreur qui a craché dans la pizza d'un client. Oh. Et pas de chance, il se retrouve au tribunal parce qu'il y avait une caméra de vidéosurveillance. Il se retrouve au tribunal et devinez ce qu'il a dit au tribunal. Je sais pas, c'est pour rajouter du goût, un assaisonnement. Non. Il a été impoli avec le téléphone quand il a commandé. Non, il a craché dans la pizza. Ouais, mais parce que le mec qui a commandé, il a été impoli avec lui. D'accord, je croyais que c'était le livreur qui était impoli. Non, il a dit qu'il a ouvert la pizza pour vérifier, la boîte à pizza, pour vérifier si la pizza était bien à l'intérieur, ouais, et qu'il fait une allergie au fromage. Et donc, il a éternué. Ah ouais, d'accord. Et c'est pour ça qu'il a craché dedans. Bon, ça n'est pas passé. Vous savez qu'il a pris 2 ans et demi de prison. Ça m'égote pas en Turquie. Hein. 2 ans et demi de prison pour mise en danger de la vie d'autrui en altérant des aliments. Alors, oui, ça n'a pas marché, son petit système. Et il risquait 18. Hein.
Il risquait 18 ans, ouais, imagine, 18 ans. Ah, il s'en sort bien. Pas craché dans les pizzas. Et à la place numéro 1. Numéro 1. Nous terminons par Londres, Great Britain, où une habitante a surpris un livreur dans son jardin. La propriétaire des lieux était sur place, n'avait pas ouvert la porte car elle était en nuisette. Donc voilà, le livreur devait déposer. On aurait fait plaisir au livreur, ça. Oui, mais bon, non. Elle devait déposer le petit colis tranquillement devant la porte. Et là, elle voit le livreur agenouillé sur sa pelouse. Elle le prend en photo. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bah, il fait son petit caca, hein. Lui aussi a déposé un petit colis. Alors, un petit colis dans le jardin, tranquillement. Alors, forcément, elle s'en est plainte auprès de la direction de ce livreur. Et les syndicats ont pris sa défense en expliquant que la pression était tellement forte au travail qu'ils n'ont même pas le temps de faire des pauses. Donc là, il fallait bien qu'il se soulage. Voilà, il fait caca dans le jardin. Prenez-lui le caniveau la prochaine fois. Et ben, les livreurs, on vous salue. Bon courage pour cette journée de taf. Ouais. Et tiens, on parle de livreur. Cédric, tu étais livreur dans le clash de ce matin. Cédric, le livreur de colis. Ouais. Et Romano. On va se calmer l'équipe. Non mais tu fais des bruits bizarres ce matin. Tout à l'heure tu nous as fait ouais, tête. Et là maintenant tu fais ouais. Donc Romano, toi t'étais dans les œufs de Pâques ce matin. C'est ça exactement, ouais. Et bien voici les résultats du clash de la drague, car vous avez voté comme des fous, comme des folles ce matin. Merci pour tous les messages que vous avez envoyés. Ah ouais, ça a voté de ouf là. Et il paraît que c'est très. C'est très, mais attends, mais. Extrêmement serré. Mais qui t'a dit, c'est pas possible, c'est incroyable ça. Je sais pas, il me semble que c'est extrêmement serré. C'est extrêmement serré. Ce matin pour les résultats du clash, les voici. Romano, Cédric, vous êtes prêts, vous êtes chaud? Ouais. Ah, complètement. Ça a été très. On est sur du 54-46. Ah, donc c'est très serré en effet. Donc effectivement, très serré. Et qui a gagné le clash de ce matin? Et ce matin. Alors. C'est Cédric! Qui fait les 54% ce matin? C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Cédric. Mais oui, Cédric 54. Le clash de la drague, Cédric. Et Romano 46. C'est pas possible. Oh putain, c'est bon. Bah, c'est pas possible. La revanche, ce sera ce soir entre 21h et minuit. Ouais. Ah, mon cœur, t'as été si bon pourtant. Mais je sais, non, je sais, toi. Merci. Oui, alors Cédric, tu ne sors pas encore avec Cariole. C'est pas grave. Oh. Bah, tu me fasses l'amour en rentrant, ça, pour me consoler. J'avais adoré, moi, ta technique. Et pas la mienne, tu vois. Non, pas aujourd'hui. T'es la seule. Okay. Non, c'était serré quand même. Attends, il y a du monde quand même. Alors, le premier appel de Cédric était très fort. 54. Merci, merci. 46. La revanche ce soir dès 21h. Soyez là. Radio Libre. Et dans un instant, eh bien, on vous offre votre séjour bel en bras. Mais un point sur vos loisirs préférés, là, tout de suite. Ouais, le point final même. Le point final. Le référendum du morning, les loisirs préférés des Français. On a découvert que c'était les loisirs avec des écrans. Télé, ordi, téléphone portable. Tablette. Et vos loisirs préférés à vous, c'est quoi? Ouais, un numéro 5, c'est faire du sport. C'est bien, vous êtes sportif et sportive, les auditeurs et les auditrices de Sky. À la quatrième position, bah, toujours dans le même domaine un peu sportif, c'est faire l'amour. Le sexe. Oui. Ouais, vous l'avez classé quatrième. En numéro 3, suivre l'actualité. C'est bien, c'est sérieux ça. Oui, ça fait sérieux ça. Ouais. En numéro 2, c'est regarder des films et des séries. C'est arrivé deuxième. Ouais. Et à la première place, bon, ça n'a pas bougé. Hein, c'est lire un livre. C'est lire un livre. Non, c'est traîner sur les réseaux ce matin qui arrive en tête. Et c'est marrant, c'est le même classement que le sondage officiel dont on parlait tout à l'heure. Ah, le même, pareil. Ouais. En 1, les échanges sur les réseaux sociaux. En 2, regarder des films et des séries. En 3, suivi de l'actu. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, même sondage. Pareil. Comme quoi, on a bien fait de vérifier. Le sondage est validé. Et ouais, il y a des sondages qu'on peut valider. Bon, on valide et on retrouve le zap du morning avant de vous offrir votre séjour bel en bras. Ça s'est passé ce matin dans le morning. Depuis 6h on est là et ben voici tout de suite le zap avec des problèmes de couple, les moments de gênance, le réveil de star avec Nabila, notre keuf qui s'est affichée justement, moment de gênance aussi pour elle, les doubles appels et vos loisirs préférés. Écoutez bien, c'est le zap. Le meilleur du meilleur. Le pire du pire. C'est le zap du morning de Default sur Skyrock. Bonjour à Waro aussi et donc bonjour à l'équipe qui vous accompagne comme tous les matins. On est là. Guigui qui réalise le morning ce matin encore. Comment ça va, Guigui? En remplacement, bah ça va très bien, tout va bien. Alors c'est bien les remplacements. Ouais, c'est sympa, ouais. Ça change un peu. Ouais, ça change un peu. Bon. Une réa de qualité. À chaque fois je dis ça à tout le monde. Vous avez vu un peu la réa de qualité? Qualité. On est quand même pas mieux sans Théo. Ça veut dire qu'il y a un Français sur 10, même plus d'un Français sur 10 qui suit Nabila. Mais elle est connue dans le monde entier. Oui, sûrement. Non, mais t'en as en Belgique. Y compris les enfants, même les nouveau-nés, c'est vrai, en Belgique, en Suisse. Mais enfin, peut-être bon, même au Maroc, au Canada aussi. 7,2 millions. Bon. À Dubaï aussi. Combien de Dubaï, fake, ouais. J'en sais rien. Mais je sais pas. En tout cas, moi, je suis abonné. Hein. Ah, donc tu vas regarder bizarrement et moi, je suis abonné. Ouais. C'est toi les 7,2 millions, madame. Ouais, moi, le pauvre, je sais pas qui c'est. Je m'appelle Nabila Benatia. Qui est Nabila? J'ai toujours fait de la télé-réalité. Ouais, c'est pour qui c'est, Nabila. Le show, moi, j'adore faire le show. Oui, et tu vas continuer à faire si longtemps, non? Qu'est-ce qui se passe? On s'enlève les habits, là? Écoute, tu me fais chier. Ouh là 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 là.
Non, ou alors tu sais ce que tu fais, tu la laisses prendre le week-end dans son hôtel et tu prends un week-end dans le même hôtel. Le même week-end, bizarrement. Ouais, ah ouais, avec la chambre à côté. Ouais, ouais, ouais. Oh bah dis donc, t'es là toi. C'est bizarre. Oh bah, bizarre, oh, bah t'es venu avec un pote finalement. C'est la Allô. Oui. Allô les gars. Bonjour. Mon amour de ma vie. Bah c'est qui? La grosse moula. Tu te fous pas de ma gueule, non? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. T'es pas un peu bourré, connasse? C'est chaud. La vie courte, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est après, je me dis, ça fait 5 ans, donc il y a quand même une confiance qui s'est installée, quoi. J'espère. Ouais, oui, oui. Si elle veut connaître autre chose, ça, au bout de 5 ça serait ans, mieux. Oui, peut-être qu'elle se lasse. Ah, un peu. Ouais. Ça sera l'occasion de redémarrer le. C'est bien. À chaque fois, je trouve un argument pour me remonter le moral. Pour me mettre bien. Il y a Karim, il arrive derrière et coup derrière la nuque, quoi. Ah non, mais c'est la vérité. Elle ne parle pas non plus espagnol ni roumain. Bougez avec la saucisse là. Bougez avec la saucisse. Là. Voilà. Parce qu'il y a un camion, il y a une saucisse dessus. Avancez. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là sur la voie rapide? Hein? Quoi? Non, pas italiano. Pas italiano. Non, pas italiano. Ouais, attends, mais est-ce qu'on a reçu un message positif pour toi là, Sam? Je suis pas sûr. Si, j'ai lu. Ah, bah oui. Mais il y en a quand même très très peu, faut reconnaître. Par rapport aux autres, oui, ça c'est vrai, oui. Loïc, Sam, le cocu d'Île-de-France. La grosse moula, moi je pense que tu. Speed. Ah, elle parle un peu anglais quand même. C'est un fou. Le camion, c'est un fou. Première voie, pas seconde voie, interdit. Interdit. Là, c'est français. C'est que du français là pour l'instant. Hein. Nous on est sous la pluie, c'est bien, ça change un peu. Enfin, je dis ça pour ceux qui sont sur la route, ça roule mal déjà ce matin. Ouais, il y a déjà du monde. Pleuvoir à Paris, ça change pas là-bas. Oh, nous aussi on a eu un temps depuis un ou deux jours. On a eu des bons week-ends. Le mec doit rien comprendre. Les papiers truck. Papier truck. Permission des conducir. Permission des conducir. Là c'est du roumain là. Je comprends pas. C'est toi qui m'as appelé ce matin? Mais t'es complètement malade. Allô? T'es grave ou il faut que je fasse quoi? Faut que je te fasse soigner? Bon, un coup. Je comprends pas du tout. La gendarmerie de Luxeuil. 60% du temps de loisir des Français aujourd'hui, c'est sur les écrans. Ah, moi, même pour moi, je pense que c'est encore plus. C'est terrible, non? Ouais, bah, terrible. Moi, je sais pas si c'est terrible. Bah, 17% des activités maintenant, c'est hors domicile. Seulement 17% des activités hors domicile. C'est-à-dire que les gens sortent à 17% et tout le reste, c'est à la maison, enfermé. Parfois, il pleut. Oui, c'est vrai. Ouais, merci. Parfois, c'est l'excuse. Oui. La pire excuse. Parfois, il pleut. Pardon. Bonjour, la gendarmerie. Pardon. C'est gendarmerie de Luxeuil. C'est qui le guignol qui parle? Allez, va coucher. Ah, je crois que vous faites erreur, là. Salut. Attends, mon gaillard, on sait qui c'est que t'es. Attends, mon gaillard. Connard, va. Connard. Le ciné arrive seulement en 11e position et assister à un concert ou un match de foot. Tu vas me dire, c'est vrai qu'il va pas toutes les semaines. C'est assister à un match de foot en 12e position. Ah, en plus, il pleut des fois. T'as raison, j'ai un ami qui me l'a dit aussi. Il y a du vent aussi. Ouais. Quand j'étais avec des amis à un enterrement, et bon, je parlais pas très bien portugais à l'époque, et au lieu de dire mes sincères condoléances, ben, je lui ai dit félicitations. Aïe, aïe, aïe. Le gars, il m'a regardé. Là, j'ai vraiment. Je savais plus où me foutre, quoi. Ah, bah bravo, hein. Alors, vraiment, je voulais te féliciter. Félicitations. Pour... Ça arrive, c'est horrible. Ah, ouais, mais ça met très, très mal à l'aise. Ça arrive. Quand tu sais que tu as dit une connerie, mais tu le vois directement à la gueule qu'a dû faire le mec en face, là. Vos loisirs préférés, Sam? Alors, en ce moment, c'est le coloriage pour adultes. Voilà, coloriage pour adultes. Alors, putain, mais t'as des activités. Non, mais j'ai demandé des trucs originaux, c'est bien, Sam. Moi, je comprends, Sam, pourquoi ta meuf va se ressourcer. Hein. Ah, moi, je comprends pourquoi elle se barre aussi. Oui, ça. Marine, dis-moi, Marine, quelle est ta radio préférée? Si t'as la bonne... Il y a déjà de l'agitation dans la boulangerie ce matin. Hein. Si t'as la bonne, tu gagnes 1 500 €. Skyrock. 1 500 €, tu gagnes 1 500 €. Bien joué. Marine, bravo. 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 Et ben voilà, Marine. Un chèque de 1 500 € qu'on va t'envoyer à la boulange. J'entends bien tous les barbus, bouffe pas de cul. Oh là. Salut. Il est chaud ton collègue. Voilà une petite blague de boulanger. Barbu, bouffe pas le cul. Et bien bravo à Marine qui a gagné à Clermont. Ce sera peut-être votre tour le prochain coup. 1 500 € à gagner toutes les demi-heures. Et votre séjour Bellambra à gagner tout de suite. C'est pour qui? C'est pour Jordan. Jordan, c'est parti. Jordan, 1 500 €. C'était tout à l'heure. Le séjour Bellambra, c'est en fin de morning tous les matins. Allez, si Jordan répond, il part en vacances. Eh bien, Jordan, tu vas partir en vacances, Jordan. Mais non, c'est pas vrai. Mais si tu gagnes. Et si? Mais non. C'est gagné, le séjour Bellambra, il est pour toi, le séjour à 2 000 €. Et tu pars avec tu veux, c'est pour 4 personnes en plus. T'as un petit appart et tout, ça va être la folie. Magnifique. Mais non, j'y crois pas. Mais si, c'est pour toi. T'habites où, Jordan?
Tarare. Ah oui, c'est toi le qui habite juste à côté de Lyon qu'on a eu tout à l'heure. Eh ben, oui, bravo, voilà. Jordan. Eh ben, t'as bien fait de te réveiller avec Skyrock ce matin. Le voyage, je nous enverrai des photos, hein, attention. Hein. Oui, t'en fais pas, je t'enverrai plein de photos si tu veux. Bon, ben, le séjour, il est pour toi, une semaine de vacances offerte par Skyrock. Bisous, Jordan, bonne journée. Bisous, bonne journée à vous, l'équipe. Merci, et ciao. Et demain, Franglish dans le morning, encore beau séjour Bellombra à gagner. Franglish se réveille avec nous. Vendredi, 15 000 euros à gagner dans le morning aussi. Une fin de semaine de folie, on compte sur vous dès demain. Ce soir, 21h, la radio libre. Et là, tout de suite, c'est Maxime qu'on va retrouver, il est 9h25. Salut, Maxime. Salut, Difool. Salut à toi. C'est parti, Urban Music Non-Stop, le son de Skyrock. Profitez bien, c'est toute la journée avec vos PS5 en plus à gagner. A tout à l'heure, 21h. Bisous Maxime, ciao. Salut, bonne journée. Ciao. Salut. Tous les matins, c'est le morning de Default sur Skyrock.